Non, le tout si, maman, moi on vit que par rapport à ça, hein. Je suis rentrée. Il y a la pionne. Attendez, j'arrive, partager. Cathy est fermé. C'est pas le clash, mais je vais te dire tes vérités. Je vais te dire tes vérités. Où sont mes trucs? Non. Je sais pas, qu'est-ce que... Pardon, partagez le live, j'arrive. La vieille chouette. Le toussier. Cathy et Femi. La vieille chouette de Cathy et Femi. Attends, je cherche quoi même d'abord. La vieille chouette. Maman, la Chine t'a eu. La vieille chouette de Chine. Elle t'a eu. Tu n'as pas honte. You know the shame. Hein? Tu n'as pas honte. Hein? Viens m'asseoir. J'arrive, attendez. M'aide. Que je laisse. Non, ne laisse pas. On est sur Facebook. Il y a trop manque de japap. Le manque de japap. J'ai dit que... Maman, attends, j'arrête mes seins d'abord. Je vais te répondre. Le japap. Maman, la vieille chouette de Shintok. Le toussi. Cathy et Femi. On t'a eu. Tu as compris? Une vieille chouette. Je dis que la team ne travaille pas. Hein? Faut pas dire que la reine mèche les points pour poudre le roc. Le tout sinon. Je ne veux pas vous donner le roc. Je vais répondre à la vieille chouette de la vieille chouette là. Et puis je finis par la vieille chouette de Zoa. Ouais, de grenouille. Facebook était trop calme. La vieille chouette. Les vieilles chouettes. Maman, attendez. J'ai dit que le tout, c'est donne raison à la vieille chouette de Zoa. La vieille chouette. On est à Facebook, hein? On est ensemble. Ne dites pas, oh, la reine mère va te laver. Maman, elle n'a pas encore dit quoi sur moi. J'ai peur de ça. Allez me biper la vieille chouette de Zoa. La vieille chouette. Et m'asseoir. Vraiment. La vieille chouette de... Mets mes seins d'abord dedans. Ouf. Maman Sarah. Maman, c'est facile. Maman, je suis restée debout aujourd'hui. La vieille chouette de Zoa. Ouais, Cathy et Femi. Bipé Zoa. Shintok. Bipé. Pardon, bipé la Chine. Bipé la Chine avec des grenouilles. Ouais. Non, c'est que hein, la politique nous saoulait déjà trop. Laissez-nous dans nos clashs. C'est pas méchant. Bipez tout le monde, pardon. Que quoi? Oui. Oui. Maman. Ça a été cicatrisé. Commence mon kiné. Commence le kiné. Jeudi. Je commence le kiné. Maman. Tu as eu le bordeaux où? La vieille chouette de Zoa. Bipez-moi la vieille chouette de Zoa. Vous bipez Cathy FMI avec deux grenouilles. Maman, quand Facebook est calme, ça nous donne. Je vous manque pas que. Le clash là, hein, ce n'est pas devenu un truc. Tu vois, il n'y a pas la haine. On vit comme ça. Eh. On est ensemble. Partagez. Bipez-moi la vieille chouette de Chine et la vieille chouette de Docteur. Comme tout le monde est docteur. Ya. 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 Je te prenais pour... J'ai dit que parfois, tu vois, les gens, ils ont le poids, ils ont la carrue.
un peu responsables. Tu crois que ils sont même responsables dans leur cerveau. Yeah! Zoa. Non, pas Zoa. Aujourd'hui, je suis avec Zoa. C'est pas cool, tu vas plus me clasher. Hein? Non! Aujourd'hui, là, je suis avec elle. Désolée. Je suis désolée. La vieille chouette de Kati FMI, Bipela, depuis qu'elle tourne son minjang là. Attendez, elle veut chercher le... Je ne vais pas prendre le... La vieille, je dis que Bipé d'abord Kati FMI. Bipé moi cette vieille chouette. Merde. Elle est joie. Oh! Sorcellerie en plein Facebook. Tu écoutes souvent. Regarde. Je dis, la Chine débloque la team PDGIS. Débloque nous. Débloque les abeilles. Débloque les abeilles. Le tout sinon, on est avec toi. Je mets qu'une chanson pour célébrer. Zoa met souvent qu'une chanson là. Aminga, Emane, Emane. Foup, Fap. Je mets la chanson de Zoa. Pardon, allez guetter ce qu'elle met comme musique. Je vais mettre ça. Emane, Emane. Foup, Fap. Foup, Fap. Emane, Emane. Foup, Fap. Foup. Non. C'est quelle chanson, mais soit la musique religieuse. On lui met quoi? Mettez, cherchez, pardon, quelqu'un me donne la chanson de la Chine. Donnez-moi la musique de la Chine pour faire, mais soit la musique religieuse. Non, on va mettre un truc. Hey! Je ne veux pas que quelqu'un parle. Richard Amougou, essuie-glace. On essuie la glace. J'arrive. Hey! Parfois paraître. Essuie-glace. Emane! Emane! Foup! Fap! Foup! Maman! Ouais! Non, 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 non! Les gens! Ouais! Mais il y a où des danses comment? Je ne te dirai jamais je t'aime. Avec le docteur. Tic-tac. Tu ne peux pas réfléchir comme Carole.
n'importe quoi. Tac, tic, tac, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic. Aïe, aïe. Depuis quand tu es fermé. Aïe. Tac, tic, tac, tic, tac. Aïe. Tic, tac, tic, tac. Et singa. La maman, maman. On laisse comme ça, ça c'est pour dédicace à Zoa. Elle aime aussi la musique religieuse. Vous savez que certaines personnes qui partent dans les églises là, c'est des vraies rombières. Lance aussi le présent en mort. Il a beaucoup fait quoi? Il a beaucoup fait quoi? Maman! Yeah! Tout ça pour venir insulter les filles que, qui ont construit. Vraiment des grenouilles. La pitiation of the ça. Pour toi, hein, tu sais que pour toi, te mets-tu à la case. Toi, quand même, même comme tu dis que tu es mon ennemi, tu m'as souhaité bon rétablissement. Donc, ça va. Ça veut dire que ta part, c'est le jonc qui te rend mauvaise. Mais bon, mélanger quand même de la méchanceté. Mélanger de la méchanceté. Mais il y a la jonc dans ça. Il y a le koum-koum dans ça. Mais quand même, parce qu'il y a des personnes avec qui j'ai été. Tout le monde connaît. J'ai fait l'accident, même pas un petit poste que Asia Flore de Lille. Maman, je l'ai. Ils me prennent quoi? Rien. Mais toi, quand même, Madame Veuve, tu m'as souhaité. On a retiré mon passeport français. On m'a retiré mon kaolo. Donc maintenant, j'ai que le je suis rentré en condolais vert. Déchire même, ça me fait quoi? Je garde même ça pourquoi? C'est juste bon, comme c'est écrit là, Cameroun, of the Cameroun. Mais sinon, parce qu'on est solide, hein? C'est normal que ça. On fait ça combien? 125 000, c'est ça? Hein? Ça va? C'est solide pour son prix, ça va. Tous ceux qui ont les passeports avec la couverture, bah, les bleus comme les États-Unis, Bordeaux comme la France, retirez vos, les couvertures. Vous laissez vos vraies couleurs de passeport. Laissez vos. Ne rêvez plus. Déjà, vous mettez le passeport. Vous avez honte du passeport, Camé. Il y en a qui ont honte, hein. Moi, quand j'étais camerounaise et tout. J'ai jamais mis une couverture pour cacher la vraie couleur de ça. Maman, si j'avais la force pour faire ça. J'ai dit que off de ça. J'ai toujours été fière d'être camerounaise. Et je prône fort, haut et fort, que je suis camerounaise. Pas comme certaines qui changent le bord. Ils mettent la couverture. Pourquoi vous ne mettez pas la couverture verte sur vos passeports? Retirez la couverture. Vous avez les passeports bien verts comme ça. Hein. Voilà vos vraies couleurs de passeport. C'est comme ça. Vous mettez la couleur bleue, États-Unis, Bordeaux, France. Il n'y a que les deux couleurs là que vous utilisez beaucoup. Vous ne mettez pas un autre. Je ne connais pas un autre pays que le passeport de ça est trop. Même les vendeurs de couvertures là. Qui vend les couvertures là? Quand c'est le passeport Bordeaux bien américain, ils vendent plus que toutes les autres couvertures. Parce que le Bordeaux là, et le bleu, c'est bleu nos passeports américains, c'est les plus connus. Enfin, ce que les Africains connaissent. Bref, ce n'est pas le problème. J'ai perdu mon passeport, maintenant je prône ça. Parce que tellement les vieilles chouettes, les prostitutes, qui sont arrivées en France depuis des siècles, qui n'avait pas de kaolo. Quand je prenais mon kaolo français, ça les énervait. J'ai mon passeport camerounais. Regarde comment mon passeport est toujours nyan nyan. C'est propre.
Vous connaissez depuis combien d'années? Moi, j'ai eu la nationalité en 2006. Depuis 2006, je suis français. Mais regardez mon passeport. Comment c'est encore neuf? Il n'y a pas de visa dedans. Parce qu'il fait à Paris. Je ne suis pas venu en Bengale avec le visa. J'ai Boza, mais le Boza avion. On appelle ça que le go en riche. On appelle ça que quoi? Go quoi là? Go quick quick ou c'est quoi? Go! Le go non. Mais voici mon passeport fait à Paris. Mon passeport a été fait à Paris en 2000. En 2003. Mon passeport a été fait en 2003. C'est un passeport périmé depuis des décennies, mais j'ai encore ça. Il n'y a que la carte d'identité, comme ça allait me blesser, j'ai jeté ça à la poubelle. J'ai appuyé ça comme ça et jeté. Mais ça, même quand tu es French, on ne récupère pas. Tout ce qu'on te récupère, c'est ta carte de séjour. Ça ne les intéresse pas. Donc, on m'avait trop insulté, comment je montre le passeport que je suis française. Maintenant, j'ai sorti que désormais, je fais mes vidéos. Comme vous êtes trop jaloux, c'est pour ça que vous m'avez fait l'accident. Vous voulez me tuer à cause de mes papiers. Oui, vous voulez me killer à cause du Kaolo. Vous êtes là, les vieilles chouettes. Positionnées en France, mariées, enfants blancs, français, mais. Vous avez le cas. Si on vous demande, vous dites que non, vous ne volez pas la nationalité, vous mentez. C'est parce que vous n'avez pas le temps pour vous lever, aller remplir et faire les démarches. Je ne vous mens pas. Il y a les filles camerounaises, il y a les filles africaines qui. Il y a les filles africaines qui sont mariées aux blancs, mais elles sont sans papier. Parce qu'elles ne peuvent pas se lever, aller remplir les papiers que démarches administratives. Elles dorment, elles répondent au téléphone du Waka. Elle tourne, elle pense que tu t'assois, le papier vient te trouver. Vous voulez me tuer à cause de mon kaolo. Vous comprenez? Il y a les filles noires comme ça. Enfants métis, elles n'ont pas de papier. Hein? Sans papier avec enfants blancs. Tu les vois là comme ça, accroupis sur le foie, en train de chercher le récépissé. Pitiation pour Wana. La pitiation. Vous avez la chance que. Je vais commencer mon kiné parce que j'ai mal au sein et au cou. On ne peut pas appuyer. Vous êtes jalouse de moi. Vous avez fait l'association de sorcellerie pour me tuer. Mais je ne suis pas morte. Vous avez compris. Mais bon, ce n'est pas ça le problème. Hein. Aïe, mon cou. Pardon, priez pour que mon cou. Aïe, si mon cou fait trop mal, je vais couper le live. Aïe, quand il dit c'est sans les gens qui prient, ça va. Oh! Notre reine, mais pardon, ne veux pas que ton cou fasse mal, pardon. Finis-nous d'abord ça, ne nous embrouille pas. Parle vite la connexion, on n'a pas encore fini, on est dans le taxi. Maman, si vous n'avez pas la connexion, vous cherchez quoi ici? Moi, ne parle pas vite. Quand je commence, je tourne d'abord. Prenez la connexion de 300. On ne coûte pas fleur de lys avec 300 de connexion. Vous comprenez? Ici, ce n'est pas les fans Bracata. Elles ont les moyens pour acheter la connexion. Quand tu es fan de la reine, mais tu sacrifies ta popote pour acheter la connexion. Aïe, maman. N'oubliez pas que votre mafou. Le goût de ça. La douleur de ça. Maman, je veux un gigolo pour masser mon cou. Hey, maman, il n'y a pas un bon gigolo là. Les gars doivent là sont cachés ou non, c'est leur travail. Pardon, je ne veux pas les bassins. Pardon, ils vont venir casser encore mon cou. Pardon, non, le tout c'est 20 gars Bams. Pardon, vous n'êtes pas un frère Bams là qui peut venir un peu avec la douceur me masser le cou si. Oui, c'est 20 gars Bams, pardon. Je veux mon frère du village. Ech. Je veux voir moi mon père. C'est comment? Gospit est où? Hey, c'est un gosput qui est assis là-bas. Maman, elle est dans le noir comme ça, un gosput. Maman, Sarah, bon séjour, un gosput. À peine arrivé, tu bois derrière la app. Aujourd'hui, ce n'est pas ton tour. Déjà, même pas, parce que c'est moi qui te donne la stamania. Quand tu parles d'autre chose, on te gère pas. Donc, bref, c'est moi qui vous donne la stamania, vous tous. C'est moi qui vous fabrique et vous défabrique.
Quand Flo Deli décide qu'elle ne parle plus de quelqu'un, défabrication totale. Maman. Ouais. Flo Deli. Elle cherche un bon gigolo. Maman, qui va me donner un gigolo là? Vous n'avez pas un frère qui cherche une chef d'entreprise. Même pour respirer seulement l'odeur du bon parfum, maman. Donc, vous là qui m'aimez, vous dites que vous êtes des fans de la reine, mais vous n'avez pas de frère. Hein? Vraiment? Là, de l'île, on t'aime beaucoup, on t'aime beaucoup, Mais quand un gars commence à me guetter, vous découragez. La jalousie de ça. Je vois. Je suis sûr, il y a vos frères là qui viennent souvent dire que ta reine m'est là. Vous êtes jaloux parce que vous avez peur que si je fais ça, je me mets avec un gars Facebook, c'est fini. Qui va encore vous faire la guignole? Eh, mané! Foup! Fap! Foup, fap! Qui va encore vous faire? Maman, quand ma famille me voit comme ça, ils sont contents parce que... Moi, tu peux m'appeler une semaine et je décroche pas le téléphone. Le huitième jour, je décroche. Je vis comme ça depuis des années. C'est pas une bonne habitude, hein. Je suis vraiment désolée, pardon. Pendant mon accident, j'ai compris. Même mes cousines avec qui on s'est séparés au moins 15 ans, tout le monde m'a écrit les messages. On m'appelait, ne décrochait pas. Mais j'ai reçu les messages de tout le monde. La famille est importante, les vrais amis aussi, merci. Merci pour tous ceux qui se soucient de moi, même si je fais le boucan là. Je force beaucoup, hein. Je commence le kiné là. Je force beaucoup, vraiment. Je parle de Zoé avant qu'elle aille tourner sa bouteille pour me tuer. Avec les malames. Je dis, Cathy FMI, c'est pour toi qu'elle fait la vidéo aussi. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, mamie. Il n'a du shame. Ouais, maman. Tu es même quel genre de femme. Pourquoi tu aimes le Congo ça comme ça? Regarde, hein. C'est Dieu qui m'a éloigné de toi. Parce que ton sang, je ne t'ai jamais senti, en fait. Je suis quelqu'un qui ressent des choses. Je pense que tu as mon numéro de téléphone, hein, quand je faisais ta vidéo, quand je parlais de tes produits. Mais on s'est eu deux fois. Deux fois. Et tu as senti que je suis quelqu'un, je ne suis pas trop parleuse, je ne suis pas trop bavarde, j'aime pas trop rester au téléphone, les divers, je ne suis pas trop divers en fait. Moi, je parle beaucoup à Facebook. Après, quand je dépose Facebook là, tu vas m'appeler ce qu'elle ne décroche pas. C'est comme ça que je suis. Et quand je vais même dans les soirées, je suis partout, les gens me voient, on se change même de numéro, mais seulement... Les gens se découragent vite parce qu'ils se disent, est-ce que c'est vraiment son numéro? Parce que je ne prends pas. Cathy FMI, tu m'as déçu que... Non, maman, j'ai honte. Toi et ma te chopa. Maman, il n'a du shame. Tu ne peux pas faire comme la petite Carole. La petite Carole, ma chérie. Cathy FMI, je dis, tu as l'air gâté. Yes. Même si tu avais encore peut-être deux amis virtuels. Vraiment, j'ai honte. Tu n'as pas de personnalité. Tu es une fausse fille. Et tout le monde va te découvrir. Tu es fausse. Moi, je préfère même la Marthe Chopal à toi. Je la préfère. Je ne vous mens pas. Je préfère cette femme-là. Mais attends, tu penses que pour te faire des amis ou bien pour que les gens t'aiment, c'est comme ça que tu vas parler des autres? Tu pouvais même faire avec la paix avec Marthe. Mais... Que prendre tes faux raconter, commencer à parler comme ça à Marthe. Non, c'est pas toi, Katia. Tu es une sorcière. Je voulais te dire ça aujourd'hui. Je suis désolée. Marthe Chopin, c'est une personne que je vous dis que c'est elle qui a inventé le clash. Si elle ne t'a pas encore eu. Elle ne t'a pas encore eu. Donc, elle t'a eu. Regarde, tu l'as écrit. Elle est allée là balancer tout. Cathy FMI, tu devrais avoir honte. Tu devrais avoir honte. Tu m'as déçu un peu. Tu sais où j'ai su que tu as... Je ne savais pas, je suis allée quelque part. Depuis, j'ai même une amie réelle qui n'est pas habituée m'appelle.
Oh, tu as vu la fille qu'on appelle Cathy FM. J'ai d'abord dit que c'est qui, parce qu'elle fait semblant comme si je ne connais pas. Elle me dit vraiment la honte. Hey. Non, c'était pas hier, c'était que je raconte pas de bêtises, c'était avant-hier. Une personne me dit que oui, une riche là, escroque. Elle dit que mais une riche escroque. Une riche ou bien une fille là, ou c'est qui, oh, les stars, toujours les gens de Facebook qui vous mentent là. Que une riche t'a escroqué. Moi, j'ai répondu à la personne que, mais est-ce que les riches escroquent? Une riche peut escroquer. Il a dit combien? On me dit, c'est 300 000. Il a dit que, mais attends, excuse-moi. J'ai demandé, c'est une benguise. On dit oui. J'ai dit que 300 000, ça fait 500 euros. On va dire 450 euros. Donc, la personne est partie là-bas, n'a pas pu payer. Parce que moi, je ne regarde pas vos choses. J'ai dit que, ah, dis donc. J'ai laissé. Aujourd'hui, encore le matin, on me fait part du Congo, ça, du moment. La veuve peut dire tout ce qu'elle veut. La veuve, c'est une personne que... C'est pas une personne que je peux détester en tant que telle. Parce qu'on connaît comment elle est. Je vous m'en prie, la veuve vit au deuil. Elle m'insulte comme ça. Elle vit au deuil, elle m'a salué. Kinkam, le deuil, c'est pas où. J'ai dit que tu vas tout droit, tu tournes, c'est de l'autre côté. Je n'ai pas voulu parce que moi, je ne suis pas rancunière. Tu vois, je ne suis pas le genre qui veut qu'elle m'avait insulté. Donc, je n'ai pas géré. C'est pas mon ami, on ne se fréquente pas. Tout le monde connaît comment la veuve est. Tout le monde connaît comment Dagobert elle est. Donc, c'est pas quelqu'un qu'on peut en vouloir. C'est toi que j'en veux. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Vous pensez que pour vous faire des amis, vous êtes obligé de parler des gens? Hein? Tu devrais avoir honte. Hein? Cathy FM, c'est toi qui... Yay! Je dis, hein, mamie, tu es de quel village? Pardon, expliquez-moi un peu. Cathy FM, toi et Marthe Zoua, toi et elle, mamie est en train de parler de quoi? Une personne, c'est elle qui t'a défabriqué ton commerce. Hein? Elle t'a déstabilisé. Elle t'a envoyé en retraite directe. Elle a signé sur toi. Une personne comme ça. Tu crois que c'est en parlant le Congo, ça, des gens avec elle, que, je ne sais pas, elle allait te refabriquer. Hein? Non, mais Cathy, tu m'as déçu, hein. Sincèrement, je suis pas... tu m'as trop déçu. Sincèrement, je ne te clash pas, hein. Mais j'ai compris que tu es une personne qui n'a pas de personnalité. Tu n'es pas sûre de toi. Tu sais, avoir les amis Mbengi, ça ne veut pas dire qu'on est quelqu'un de bien, hein. Il y a les foirés, là, ici, dehors, okay. Les filles Mbengi, elles sont malheureuses, elles sont foirées, okay. Elles arrivent au pays, on les entretient. Elles n'ont rien. C'est seulement peut-être elles sentent le bon parfum FDL. Mais en dehors de ça, elles ont quoi? Elles achètent les 1 euro au marché. Tout le monde fait ça. Hein? Tu crois que pour aller au pays, tu pars 1 euro au marché là partout. Tu achètes les 1 euro d'édorant, 50 centimes, nanani, nanani. Tu mets dans la valise. Comme ça, pris l'avion, c'est comme ça que tu partages. Mais la même chose, vous trouvez ça là-bas au pays? Il y a ça. À score, je sais pas, il y a ça là-bas. T'as pas honte? Tu crois que c'est en marchant avec une benguise que ton... Je sais pas quoi, tu... Dans la vie, hein, quand on est commerçant, on doit avoir des relations, c'est normal. Tu comprends? Dans la vie, hein, c'est pas parce que tu as la... On peut avoir des relations et savoir gérer ses relations. Oui. Et savoir gérer ses relations à distance. Quand on est commerçant, c'est normal que tu aies les amis Mbengis parce qu'ils vont venir dépenser. Mais pas les foirés Mbengis, les foirata. Les foirata de Mbengis. Ceux qui n'ont rien là, ceux qui viennent voir une bière. Ma chérie, quand j'entre quelque part au Cameroun et dépose 1 million, je sors. Tu as eu la chance, je ne suis pas venue dans tes trucs parce que trop de mélange. Parce que tu es fausse, tu es mauvaise. Quand je t'ai vue, tu commentes sur le mur de Dégrémont pour m'insulter quand tu es FMI. J'ai dit que tu es une sorcière. Je tenais à te le dire aujourd'hui. Que tu es une vampire. Moi qui ai fait ta publicité, c'est même si tu m'as payé. Et ce que Marthe Zoua avait dit que tu as dit que elle m'a payé, que tu as payé 500 euros, c'était vrai. Parce que tu m'as payé 500 euros. C'est normal. Quand elle a dit ça, hein, parce que dans le Congo, ça, hein, tu connais ce qui est vrai, ce qui est faux. Quand elle avait dit que Cathy FMI, tu es venu me raconter qu'elle t'a demandé 500 euros, c'est la vérité. C'est ce que je t'avais demandé. C'était normal. Tu vendais tes produits, tu vendais beaucoup. En ce moment-là, oh, Fleur de Lys, c'était bien la reine, mais après, tu t'es retournée. Vraiment, vous êtes mauvais. Tu sais, Dieu fait payer, ma chérie. Tu vas payer. Tu vas payer, Cathy FMI. Tu es méchante.
Vous savez quoi? Je ne dis pas que parce que quelqu'un est ami avec moi, il ne va pas être ami avec les autres. Mais il faut savoir faire la part des choses. Tu avais demandé pardon à toutes tes sœurs. Mais quand tu vois des grenouilles qui font le direct pour insulter Flore de Lis, tu commentes beaucoup. Tu vois trop Shintok commenter là-bas. Non. Parce qu'elle est. Elle a ses derniers balles. Elle a ses derniers balles. Elle ne commente pas. C'est le jour qu'elle est. Quand l'autre a dit qu'elle va demander pardon, ça a duré. Parce qu'elle, elle connaît. C'est une fille qu'elle est. Moi, je ne la connais pas beaucoup. Hein. Zoa, je ne la connais pas beaucoup. Mais c'est une personne qu'elle est. Je suis la première, l'une des premières personnes qui a commencé à acheter son commerce. Acheter les choses. Il y a de cela longtemps. Hein, quand j'avais encore vraiment que je ne connaissais même pas les prix des choses. J'achetais les robes Hervé Léger là-bas. Une robe 500 euros. Je ne discutais pas. Et je ne me suis jamais cachée. J'achetais. C'est d'abord sur une personne que normalement, elle devait me dire merci. Elle ne discute pas comme les foirata qui discutent les robes à 100 euros. Elle discute encore à 60 euros. Non. Moi, j'achetais avant sans discuter le prix. Comme une, donc, je ne... Oui. Non. Avant. Mais, ma chérie, Kati FM, je suis déçue de toi. Même si... moi, hein, je vais vous dire comment je fonctionne. Moi, je suis très casanière. Je ne suis pas quelqu'un qui sort. Je suis solitaire. Et les vierges, je suis du signe astrologique vierge. Je suis très solitaire. Kati FM, tu ne m'as pas donné l'argent gratuit. Tu m'as payé pour la pub. Comme les pubs de mes produits vont passer à trace. Aujourd'hui, j'ai eu TF1. Hein? TF1 qui demande les sommes... ce n'est même pas de mes moyens, mais j'ai eu M6 qui va présenter mes, qui va la pub de mes laits de toilette vont passer à M6 et tout à trace à votre chaîne, les chaînes des Nigériens que vous regardez beaucoup là, Nollywood, ça passera aussi là-bas. J'ai ciblé Trace Africa, M6 le matin à M6, vous allez voir parce que le midi incapable de payer la minute à ou c'est 2 minutes à 4500 euros. Ce n'est pas dans mes moyens. Trace Africa, vous allez voir les journaux Amina, vous allez voir et tout. Bref, c'est une parenthèse. Je paye. Parce que quand tu fais le commerce, tu payes. Moi, m'asseoir sur Facebook, ça ne finit, ça suffit pas pour la communication. Moi, j'attendais le lancement de mes produits cosmétiques, des laits de toilette pour commencer à faire vraiment le plan médiatique pour mes produits. En commençant par l'Afrique et en visant M6. C'est parce que ce n'est pas les produits limités seulement aux Africains. Il faut que ça soit ouvert au monde. Hollywood, c'est des Africains de partout dans le monde et toutes les petites chaînes. Donc, moi, je suis du signe astrologie vierge. J'aime rester d'abord dans mon coin. Regardez les gens qui s'asseyent sur Facebook pour insulter Flore de Lis. Alors que je suis une fille qui a bâti un immeuble. Hein. Voilà Zoa, elle construit depuis 10 ans. Hein. Elle n'a pas encore fini. Hein. Elle construit, moi j'apprécie, hein. elle construit, c'est vraiment sa maison qu'elle construit, qu'on ne raconte pas de bêtises. Maman a acheté d'abord un terrain, d'abord où moi j'ai construit. Le terrain, c'est 32 000. Donc quand moi j'ai acheté, c'était à 32 000 le mètre carré. J'ai acheté 1000 mètres carrés plus 500 mètres carrés. D'abord, hein, avant de donner encore à la mangeoire des gens. Donc poser la pierre, ce n'est pas facile. J'ai une maison à Douala. À Douala, j'ai 2 maisons. Dans mon village, à Yaoundé, je vais m'acheter un appartement. Je suis cette fille-là qui... je ne me suffis pas. Je ne suis pas une snobeuse. L'argent, j'ai touché. Et je continue à toucher. Et j'ai fait, on a vu. Je ne suis en concurrence avec personne. Mais avant de venir vous asseoir sur Facebook pour insulter les gens... Hein? Il faut vous rassurer que hein, vous avez au moins fait quelque chose, on a vu. Vous savez, quand je suis allée au Cameroun, beaucoup d'hôtels me... C'est-à-dire que je suis tellement... Mon niveau de Stamania me... C'est-à-dire que me demande de ne même plus payer quelque chose quand je vais au pays. On m'invite partout gratuit. C'est seulement que, bon, des fois, je vais aussi donner, mais partout. On m'invite gratuit. Je suis allée au Mundjang là-bas. Oh, mais je suis sortie au pays qu'une seule fois à Yaoundé. Hein. Parce que je ne suis pas d'abord une sorteuse. Je ne suis pas le holé-holé de balade dehors,
sans destination, là, sans savoir où on va. Là. Le genre que tu sors seulement parce que tu es Mbengiste, non. Quand je vais au pays, je pars pour des trucs précis. Je n'ai pas besoin de sortir pour me faire voir parce que je ne vais pas sur ça. Est-ce qu'en Mbengue, on ne fait pas? Je vais pour des choses précises. Il y a plein de gens qui m'invitent depuis l'avion. Hein. Quand je monte seulement dans l'avion, les invitations commencent que là, jusqu'à. Mais, quand tu peux opérer parce que tu as un objectif, tu as des choses à faire, tu finis tout ce que tu as fait et puis bah, si tu peux t'amuser, tu t'amuses. S'il n'y a pas le temps de t'amuser, je pars au village, j'ai une maison au village dans mon village, vous avez vu. Ma maison dans mon village, c'est comme c'est plus qu'en Mbengue même. Équipée de Ikea. Hein. Je suis à l'aise dans mon village. Il n'y a pas de location que je vais payer le loyer, non. À un moment, ils ont raconté qu'on m'a arraché mon immeuble. Maman, tu peux construire l'immeuble, on arrache. On prend la chose de quelqu'un au Cameroun. Donc tu as conçu un immeuble jusqu'à R plus 3. Premier dalle, deuxième dalle, troisième dalle. On te prend ta chose. J'ai compris que c'était parce que c'est la jalousie. Oui. Donc je ne me suis jamais attardée sur ça. J'ai dit que même si c'est conçu dans le marécage, construction égale construction. Au moins on ne t'insulte pas. Quand tu arrives au pays, tu ouvres le chez toi, tu te couches, tu dors. Parce que même Zouala, quand elle arrive au Cameroun, elle dort chez elle, elle ne traîne pas les hôtels, c'est bien. Il faut apprécier ce qui est bien. Il faut apprécier ce qui est bien. Une Mbengiste, sans vous mentir, quand tu es Mbengiste, au lieu d'arriver au pays, aller dormir chez les amis, mieux tu dors chez toi, chez ta mère. Tu arranges ta chambre, tu te... Donc, il y a les gens qui... Je ne vous manque pas. Construire, ce n'est pas... Construire, ce n'est pas facile de construire maison. Ne pensez pas que c'est parce qu'au pays, on dit que c'est moins cher. Non. Il y a les maux de tête. Il y a les maux de tête qu'on te dit que le gravier est fini. Les maux de tête, d'abord ça. C'est d'abord psychologique. Il faut d'abord être fort psychologiquement. Tu peux m'avoir le milliard comme ça en main. Tu n'arrives pas à construire au pays. Tellement te maltraite psychologiquement qu'à un moment donné, il n'y a personne qui peut dire que pendant qu'il est en train d'investir, de construire toujours, surtout en train de construire au pays, qu'à un moment donné, tu ne dis pas je laisse tomber tout. Tout le monde fait ça. Parce que si on t'avait dit que ça va te coûter 100 millions, hein, sache que ça va te coûter 300 millions. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas faire marche arrière. Quand tu vois tout ce que tu as d'amis, tu es obligé de t'endetter ici là pour aller finir quelque chose qui ne va même pas te rapporter. C'est même parce que tu veux te valoriser. Tu veux faire plaisir à la famille. Tu as envie de dire non, je suis parti, j'ai fait quelque chose de bien. Tout l'argent qu'on investit là, on peut acheter. Pour acheter la maison en Mbengue, c'est quoi? Tu as 30 000 euros ici. Hein. Je vous dis la vérité, pour acheter la maison en Mbengue, c'est rien. Tu as 30 000 euros. Hein. C'est même beaucoup. Tu achètes la maison ici. La maison ici, c'est rien. Hein. Que ça ne vous effraie pas. Pour acheter la maison en Mbengue, il faut seulement avoir un travail. Il faut seulement avoir un travail. Hein. Tu as un travail fixe, CDI. Tu as les fiches de paie qui entrent. Il y a beaucoup de gens qui vivent en couple parce qu'ils ont l'engagement qu'à acheter la piole. Ce n'est pas parce qu'acheter la maison, avoir la maison au pays, c'est plus difficile qu'avoir la maison en Mbengue. Je ne vous mens pas. Au pays, il n'y a pas le crédit. Il n'y a pas que la banque m'a fait le crédit. Ici, tu montes, tu descends, on te fait le crédit parce qu'on sait que tu vas te reverser le loyer là. Donc, quand tu as fini de faire au pays, tu viens maintenant. Mon prochain investissement, c'est acheter un appartement ici. Parce que je n'ai jamais menti comme les vieilles chouettes qui mentent là. Oh, j'ai acheté l'appartement. Maintenant, avec ma société, je peux m'acheter un appartement. Parce que c'est que je peux avoir un apport, j'ai un travail fixe et tout, je peux m'acheter un appartement, oui. C'est comme ça qu'on dit que réfléchir pour travailler sa vie. Ce n'est pas le courrier aller imiter. Il y a plein de filles qui ont commencé les maisons en Europe, qui, au pays là-bas, elle a commencé la fondation, elle a élevé deux murs, elle a arrêté, ça fait 30 ans. Parce qu'elle a vu les gens faire, elle court aussi. On n'imite pas. Faites les choses parce que... Parce que tu sais où vient l'argent, parce que tu sais que tu es capable, tu as les économies. Il y a les filles parmi vous là qui n'ont même pas un centime d'économie. Mais il faut les voir parler fort aux gens. Il faut les voir parler fort aux gens. Elles n'ont même pas un centime d'économie. Quand on dit que l'économie, elles n'ont rien. Tout ce qu'elles ont, elles envoient au pays. Tu envoies tout l'argent au pays dans une banque là-bas. Que si on ferme ça, tu fais comment? Hein? Parce qu'il y a certains là, surtout les vendeuses de piments là. C'est les vieilles chouettes là. Dès qu'elle bouffe la tontille, elle envoie le tout au pays. Tu vis ici, tu envoies tout au pays. Tu n'as même pas le papier. Tu ne sais pas quand tu iras un jour au pays, mais tu bouffes tout ta tontille. Tu envoies tout. Tu restes avec rien. Que si t'arrives un truc, tu vis avec quoi?
Parce que certaines filles ici en Belgique, excusez-moi, hein, quand tu entres chez moi, hein, demandez à tous ceux qui me connaissent, jamais vécu dans la poubelle. Non, 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 j'ai jamais. Moi d'abord, mon bien-être, je m'en fous, elle peut porter l'habit de 1 euro. Mais il faut que chez moi, hein, ça soit top. Moi, je ne m'attarde pas trop les habits là, machin, non. Moi, mon problème, c'est ça quand même et chaussures. Les habits, ah, je m'en fous un peu. Et chez moi, je n'aime pas la brocante. Je n'aime pas la brocante. Moi, j'achète du neuf, fabriqué sur mesure. Tu vois, certaines filles qui tapent la bouche, comment elles sont les sessions Facebook. Quand elles font même le direct, tu vois même seulement le meuble. C'est le vieux meuble du blanc que ses grands-parents sont morts. Ils ont laissé en héritage. C'est qui? On appelle ça que quoi? Les vieilleries là. Les vieux meubles de blé. Pour ce qu'on va à la brocante là. Quand elle fait le direct, tu vois ça là, tu dis que vraiment, pitiation. Vous n'avez pas honte. Maman, moi, tous les peut-être 6 ans, je change tous mes meubles. Je rachète le neuf. Parce qu'il y a la, donc, il y a la nouveauté toujours. Avant, j'avais quoi? Un gros canapé blanc, non? J'ai changé tout. Hein? J'ai renouvelé parce que mon bien-être. C'est bien beau d'envoyer tout au pays, de faire ceci au pays, mais quand même, il faut aussi être dans, être bien ici. C'est pas tu sautes le métro. Incapable, sauter le métro, c'était le métro, c'est vous. Les vieilles grèves sur la tête, les vieilles. Donc, les vieilleries. Il y a les filles que, quand tu arrives au pays, on dit qu'elles sont bengues, tu as honte de toi. Elles sont benguistes sales. Elles sont benguistes sales. C'est-à-dire, quand tu vois une bengue, tu sens une bengue qui souffre. Parce que quand on arrive en Afrique, hein, il y a les benguetés qui souffrent d'abord propre. Et puis les benguetés qui sont bien. Qui ne souffrent pas, mais ils ne galèrent pas non plus. Ils sont au milieu. C'est les nous. Les vieilles racailles là qui boivent que les bières. Toujours dans les sous-quartiers. Moi, j'aime le sous-quartier. Hein. Moi, j'aime bien. Mais certains font ça parce qu'elles ne peuvent pas être converties en France. Elles ne peuvent pas aller là où on vend même le poisson à 20 000. Elles ne peuvent pas manger sa maman. Parce que ça fait 30 euros. Elles savent que par jour ici en Belgique, elles ne dépensent pas 30 euros. Elles ne peuvent pas. Quand elles ont déjà fini de cotiser le billet d'avion de SM Bruxelles le moins cher, hein? Ou bien elles attendent Air France de 450 euros, tu la vois, elles tapent la bouche. Le crédit billet d'avion payé en 10 fois. Ah mouf! Bref, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est toi, Cathy FMI, que tu es une racaille. Tu es une racaille. Franchement, tu es une ratatouille. Tu sais, la dernière fois, moi, ça veut dire que je suis à Marthe là. Je ne vais pas tourner autour du pot. Moi, j'ai pas. Je vais prendre mon téléphone, il va appeler son lien, il va me décrocher parce que je l'ai déjà fait la dernière fois là. Je l'ai déjà fait. C'est pas que, avant j'avais même son numéro, c'est pas que c'est une personne que j'ai trop peur d'elle. C'est seulement une grande soeur que je respectais, mais elle la respecte plus. Parce que c'est une personne qu'elle est, franchement quoi, je sais pas, peut-être elle a voulu se venger de toi. Une personne qui t'a insulté, moi-même j'ai insulté les gens. Hein. Je ne refuse pas, même si j'ai fait la paix avec quelqu'un que j'ai clashé hier ou avant-hier, mais chacun reste dans son coin. C'est pas qu'on va être amis, qu'on va s'appeler pour se confier, machin. Elle se confie à toi, Zoala. Vous vous êtes confié. Tu as balancé. Tu retournes encore vers elle pour parler de grenouilles. Hein? Là, je suis en train de vous donner la Stamania. Est gratuit, hein? Ça, c'est le Black Friday de la Stamania que vous donne. Le Black Friday. Je vous donne ça, Njo. Parce qu'en prononçant vos noms, vous connaissez comment vos vues vont monter. Ça, c'est le Black Friday de la... De la Stamania. Hein? Ya, Cathy FMI, tu n'as pas honte. Non, je n'ai pas dit que je l'appelle. Je veux dire que je suis venu pas. Je veux dire que si je veux parler, si je veux lui parler, qu'elle fait un truc qui m'énerve, je vais prendre mon. Je veux qu'on puisse l'appeler. Apprenez à rester chez vous. Apprenez à rester dans vous. Maman, on voit une vieille chouette comme de grenouille. Maman, la vieille chouette de grenouille. Maman, la vieille chouette.
des grenouilles. Quand je l'ai vu, j'ai dit que, excusez-moi, c'est qui? Je ne savais pas qui c'était. Maman, une de ces photos que, où c'était que sur quel genre de soleil, avec le matango sur... Yeah. Des grenouilles. Même pas un mois de... J'ai dit que, 5 jours du Cameroun. Pardon, viens parler un genre sans FDL. Pour toi, je t'offre un truc. Maman, yégué, quand je l'ai vu, mais la femme là, non, ben arrange les gens. Hein. Ça, entre temps, toi, des grenouilles, quelqu'un t'héberge, tu es encore là, qu'elle n'a même pas jeté tes affaires, que tu es là en train de faire le live sur elle. Oh, tu vas me sentir. Tu fais ça qu'aux gens qui sont à tes pépettes, gens là. Quelqu'un t'est bête, tu dors chez quelqu'un. Maman, même ici en Belgique, quand tu dors chez quelqu'un, j'ai dormi chez les gens hein, ici en Europe. J'ai dormi chez les gens ici en Europe. Maman, tu ne peux pas ouvrir ta bouche. Hi! Tu peux dormir chez quelqu'un en Belgique, tu ouvres ta bouche. Maman, tu dors par terre au salon, maman, tu payes le loyer plein pot. Hein? Et que tu dors chez quelqu'un, tu parles fort, maman. Tu as oublié l'esprit de Mbé? Une benguise comme toi de l'ancien 1900, ouais. Qu'on peut pas s'emmêler sur le village. Tu vas parler à quelqu'un qui a conçu à Yaoundé. Quelqu'un veut parler, elle veut parler aux gens que chez moi à Saint-Mélima. Là où c'est le village, le terrain au village, c'est un job. Tu donnes même un peu le vin de palme avec les sacs de riz. Tes parents, je sais pas, tu as tes parents là-bas, on coupe une parcelle, on te donne. Moi, je suis la seule qui a acheté le terrain au village. Parce qu'elle voulait pas les histoires de famille qu'on me donne. J'ai acheté à un inconnu. Elle ne veut pas le mélange là que demain va dire, oh, tu parles fort pour le terrain à Saint-Mélima. Ils ont du chêne des grenouilles. Hein? Ah! Tu dors chez Cathy FMI, tu parles d'elle comme ça? Cette vieille chouette de Cathy FMI. Hein? Tu dors chez elle? Au lieu de respecter au moins ce que tu dors chez elle, c'est toi qui veux trop parler. Ouais. Tu t'as, je veux partir. Tu sais, te mettre dehors là, tu vas aller où? Que tu as d'avoir 100 francs pour payer le taxi. Parce que tu parles que 150 000. Tu peux. Maman, si tu avais les 100, il y a les auberges. Si tu veux, on te donne les adresses. 20 000, tu dors dans l'auberge là-bas à Yaoundé. Tu dors à l'auberge. Tu n'as pas honte. Parce que, s'il te plaît, j'ai mangé le haricot. Tu voulais, moi, tu peux pas t'asseoir et préparer. Hein? Il n'a fait cook. Il dit, si man piki, we don de belé. When are you get an fostidant? For cook, for give ye. For si kase, il don carry belé. Na you de contorse, den de cotiser, for give ye. Ou si for si kase, if he den cotiser, for give ye. Why don't go sidant for yas? Oh, shemo. Hein, il n'a dit shame. Il dit, il tourne d'eau. Tourne d'eau de 2000. On va dire tourne d'eau for 5 000. Il n'a fait cook. Il n'a fait go for what. Tu peux pas aussi aller acheter le poisson braisé. Tu, le maquereau, tu fais ça à côté du cabinet comme ça. Tu manges. Je sais pas quoi. Tu t'assois ce qu'a dit qu'il faut qu'elle te prépare. Tu manges que yenge. Hein? Mamie? Je dis, hein? Tu veux qu'elle prépare. C'est toi qui dis qu'elle a les problèmes. C'est toi qui veux qu'elle prépare. Tu veux manger. Ashuka, tu as compris? Jusqu'à... Donc, tu prends même pas ça. Tu prends encore ton frère, tu mets derrière. Yeah. Non, les Africains, franchement, je croyais que quand on vit ici en Europe, on enlève un peu cet esprit que tu vas chez quelqu'un, tu ramènes toute la famille. Tu héberges chez quelqu'un. Tu prends encore ton frère, tu mets sur ça. Quand c'est comme ça, même ton frère devait même te dire que non, j'ai moi honte, maman. Comment tu viens de Mbeng? Allons-moi à l'hôtel. Dans la vie, tu peux dormir dans le même lit avec ton frère, hein, c'est pas parce que non. Ou bien le soir, tu mets là, il y a la couette, il met par terre, il dort là où tu dors par terre, il dort sur le lit. Tu vas serrer chez quelqu'un ce que tu as dit que tu n'as jamais mangé depuis que tu es là. Tu as porté quoi? Hein? Parce qu'avant de chercher ce que tu as mangé, quelqu'un t'héberge. Toi, tu as porté quoi? C'est pas toi qui chantais qu'il y a la climatisation là-bas. Tu es parti là-bas avec quoi? Non, tu as fait le sac, tu as déballé le sac, tu lui as gardé quoi? Viens chouette,
Tu as gardé quoi, Cathy FMI? Pour chercher ce que tu vas manger, tu lui as donné la ration. Quand on arrive, je vais vous expliquer. Quand on arrive chez quelqu'un en Afrique, même si c'est chez tes parents, je vais vous expliquer un peu le modèle qu'elle fait souvent. Quand j'arrive, que j'ai envie de flatter un peu ma mère, je fais comme si je suis venue rester avec elle, sachant qu'elle va toujours aller tourner, que je vais manger peut-être sur 10 jours, je vais manger peut-être 3 fois là-bas. Ce que je viens pour flatter la matière, tu prends une enveloppe, tu donnes, tu dis que c'est tout ce que tu as, tu n'as plus rien. Que c'est ce que tu es venu avec. Tu dis que voilà, maman, garde-moi. Tu donnes tout, tu dis que maman, garde-moi l'argent si c'est ce que j'ai apporté. Quand ta mère prend, elle est fière, elle dit que oui, ma fille me fait confiance. Comme elle a donné comme ça veut dire qu'elle va rester que dans la maison. Si. Chaque fois quoi, quand quelqu'un vient, tu demandes, tu m'as, donne-moi 100 000 là, elle donne. Ma, donne-moi 50 000, elle donne. Ma, donne-moi. Quand l'argent finit toujours, la matière dit que. Quand la matière commence à te regarder bizarre, c'est pour te dire que tes dos sont en train de finir. Hein. Quand la mère te dit, quand tu dis encore que ma, donne-moi 100 000, elle dit que. Quand la matière te dit que quoi? Quand la matière te dit que quoi? Tu dis que non, prête même, je vais te rembourser après. Quand tu commences à dire ça, c'est pour dire que quand la matière te dit que quoi, ça veut dire que ton argent est en train de finir. Que ce que tu as donné, c'est déjà en train de diminuer beaucoup. C'est toi-même qui vous la boutique, ma pardon, prête même, mets ton argent de la réunion, je te donne ça avant de partir. Parce que tu n'auras que, tu n'auras pas. C'est quand tu vas battre en main que tu vas encore tomber dehors, commencer à te battre, et les pipos, et les fellations, et les socios, et les levrettes. Entre temps, la mère te met la pression, pardon, voilà l'argent que j'avais prêté, c'était pas pour moi. C'est là où tu. Quand, parce que si elle te dit que c'est son argent, tu ne peux pas rembourser. Elle est obligée de dire que, ok, parfois la matière a même les dos. Elle te dit que non, elle sort là, elle va aller chez une de ses, chez la présidente de l'heure. On connaît le motel. Que non, je vais aller chez la présidente de notre réunion là, comme il y a même comité. Je vais prendre là-bas. Parfois même tu vois un terrain au pays, on te propose un bon truc. Tu n'as pas les dos. Mais tu sais quand même que tu peux avoir si tu bac. Tu dis à la matière que achète même l'usure, je vais te rembourser. Comme la matière veut ton bien-être. Parce qu'une matière, une maman veut toujours le bien-être de son enfant. Elle va tout faire, te donner. Donc les gens comme vous là, si vos matières ne font pas quoi, parce que vous les mettez dans les dettes. Quand vous prenez, vous rentrez, vous ne remboursez jamais. Ma chérie, quand tu arrives au pays, même si tu es chez une tante ou bien chez une amie, tu l'appelles dans la chambre. On va dire le deuxième jour. Parce que le premier jour, on suppose qu'elle a fait le marché, il n'y a pas de problème. Parce que quand tu viens de Mbeng, la personne chez qui tu descends, même s'il faut aller prêter, la personne ne peut jamais te dire « Envoie l'argent, je prépare ce que tu arrives, tu manges. » La personne te laisse. Le premier, c'est gratos, c'est gratuit. C'est un job. Mais le deuxième jour, c'est à toi de dire que je suis venu là pour une semaine. Voilà 1000 euros. Elle va même te dire que non, 1000 euros, je vais faire que tu dis que non, laisse, on va aller en ville changer. Tu pars avec elle en ville, tu changes 1000 euros là. Tu prends 500 000, tu mets dans sa main, tu dis que non, j'ai. Tu prends, tu mets dans sa main, tu dis que j'ai pendant que je suis là. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas parce que quelqu'un t'héberge au pays. Même si quelqu'un t'héberge au pays, quand tu arrives chez quelqu'un, même si la personne ne te demande rien, tu dois tout faire, les gestes financiers. Tu dois tout dépenser pour un truc. C'est-à-dire que tu dois dépenser. On n'a pas besoin de te dire que tu payes sinon. Quand il y a un truc, tu te prêtes, tu dis que non, 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 laisse, je vais payer. Les gens viennent même, tu les distribues l'argent. Quand les amis de la personne arrivent, peut-être les enfants de la personne qui t'héberge, ses cousines, quand les gens arrivent, tu dois même les 20 000. Tu sais déjà que tu avais mis 500 000 sur ça. Tout peut, tout, même si on ne te demande pas, tu dépenses ça chez la, que la personne voie que tu as dépensé. Ce n'est pas que tu t'assois là, tu commences à parler fort. Quand j'allais partir, j'allais donner 150 000. 150 000, c'est quoi pour quelqu'un qui vient de l'Europe? Quand on dit, quand on n'a pas les dos, on ne part pas pour payer. Quand on n'a pas l'argent, on ne part pas pour payer. On reste ici. Vous croyez que certaines personnes restent ici parce que l'argent du billet, le billet d'avion, c'est quoi? C'est rien. Mais c'est les charges qu'il y a derrière. On dépense au pays plus qu'en bain. Vous croyez que le billet d'avion, c'est ça qui empêche les gens de venir au pays? Non.
C'est pas le billet d'avion, c'est le kaolo. Et les moyens financiers. Quand on arrive au pays, on doit mettre tout le monde à l'aise. Tu n'as pas besoin qu'on te demande que machin, tout ça là. Tu dois mettre les gens à l'aise. Parce que les gens du pays ne veulent plus les vieux habits de Bénin. Ils sont déjà, ils ne veulent plus les choses là que les vieux, vieux habits qu'on sort du sac là. À la limite, les parfums, oui. Les parfums, oui. Les trucs neufs, sacs à main neufs. Même si c'est les sacs d'Aubervilliers là de 14 euros. Mais les vieux habits, anciens habits là, les gens ne gèrent plus ça. Ils ne sont plus dans les vieilleries. Quand tu arrives au pays, tu fais l'erreur, maman. Tu vas croire que c'est toi-même qui vis là-bas. Parce que les gens du pays, d'abord, sont sapés. Ils sont propres à tout. Il n'y a pas l'heure de la propreté là-bas. Regarde quand j'ai vu la photo de grenouille. On dirait que c'est une femme qui vend les poulets au marché. Vous connaissez les femmes qui vendent le poulet, les œufs. On dirait que c'est une matin qui vend le piment au marché. C'est que les matins qui vendent le piment là, le soleil quand même les brûle un peu, non? Quand elles au marché là, elles sont comme des grenouilles. Oh, moi, c'est une vendeuse de matango. Elle est là comme une vendeuse de ha. Jusqu'elle s'assoit, elle parle qu'elle a mis le string rouge. Oh, j'ai ça là-bas. Ouais. Maman, la chose qui différencie certains, souvent quand quelqu'un vient de Mbeng, c'est quand tu as un beau sac à main, des belles mèches, et tu sens un bon parfum, c'est tout. Les habits, on s'en fout, hein. Parce que la nouveauté, avant que ça n'arrive ici en Europe, le Chinois a déjà ça au pays depuis fort. Le sac à main, peut-être une belle chaussure et les cheveux. Parce que la mèche du pays ne sera jamais la mèche de Mbeng. Maintenant, c'était avant, il y a maintenant les bonnes mèches. Vous avez déjà vu les cousines, les filles encore du pays demander les vieilles mèches. Parce qu'à mon époque, quand j'allais au pays, on me demandait souvent que garde-moi tes mèches que tu ne... Il n'y avait pas encore les mèches brésiliennes, c'était les mèches normales, woman hair. Mes cousines me disaient souvent, garde-nous les mèches, tes mèches que tu allais. J'avais souvent les sacs de mèches. Parce qu'avant, je me coiffais deux fois par mois, tous les deux semaines, je venais me coiffer à Paris. Donc, je faisais le sac, mais je les ramenais. Ils n'ont plus jamais demandé ça. Les gens ne portent plus les vieilleries, les vieux, vieux trucs de Mbeng là. Non. Ils ne sont plus dans ça. Mm-mm. Donc, avant d'aller au pays, comment, il faut souvent vous préparer. Avant de go. Vous avez compris? Tu achètes un beau coffret FDL. Tu mets ça en sous. Tu offres à quelqu'un. La personne sera impressionnée. La personne sera contente que waouh! Tu m'offres un lait de toilette FDL Fleur de Lille. Même si je ne connais pas Fleur de Lille, déjà c'est bien. C'est waouh! Pas que tu prends les vieux collants, qu'on part chercher le manioc au champ là. Vos vieux habits là, on met ça pour aller au champ. Voilà une personne qui est partie à l'époque avec. Là, voici. Voici, elle est témoin de mon mariage. On se connaît depuis très longtemps. Et nos enfants. Mon fils a fréquenté la maternelle à Bépanda avec sa fille, Rose aussi. Voilà la seule personne qu'on dit que, enfance, elle, au Carrefour à Jip. C'est l'amie de jeunesse que j'ai. C'est elle. Je n'ai pas quelqu'un que je connais que depuis que je suis toute petite. C'est seule. Elle est témoin de mon mariage. On se connaît que depuis le pays jusqu'ici là. Nos enfants ont fréquenté ensemble. Et ils ont une grande concession là-bas au Carrefour à Jip, là, en route chez eux. Il faut demander avant qu'on parte au pays. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus les vieux trucs. Ça s'appelle les encombrants. Parce que ça encombre, même quand tu arrives là, parfois ils portent, ça les suffit pas, ils n'aiment pas. Bref, ce n'est pas le problème. Moi, c'était surtout pour dire que vraiment dans la vie, Facebook, ce que vous voyez, ça nous montre beaucoup de choses. Ça nous montre beaucoup de choses. Oui, c'est mon ami, hein, Rose, là. C'est mon ami depuis, mais on ne se fréquente pas. Ça dit qu'on ne se fréquente pas, qu'on s'appelle tous les jours, on se visite, nanani, nanana, non. Mais voilà, c'est mon ami. Voilà. C'est comme ça, c'est mon ami. On s'appelle quand c'est important. Donc, pour dire que vraiment, Cathy FMI, tu m'as trop déçu.
Ça veut dire que tout ce que tu avais raconté de Carole à Matt, c'était la vérité. Franchement, je ne sais pas quoi. Comment tu peux te rabaisser comme ça? Tu vas d'abord appeler, je ne sais pas, quelqu'un qui t'a déstabilisé ton commerce. Tu vas d'abord appeler. Tu vas l'appeler par rapport à quoi? S'il y a une personne ici sur Facebook, elle a insulté copieusement et qu'elle a gagné d'enquête, tant que il n'y a pas ce qu'elle veut, elle ne te lâchera pas. Elle t'a dit ça. Hein? Tu es bête. Il est doom. Tu es doom. Moi, elle te dit ça. Les gens vont te fuir. Parce que la majorité de tes clientes, ce sont les gens Facebook. Alors finalement, on va te fuir parce que tu es une fille à commère, tu es une Congossa. Ça veut dire que si je venais péter ma soeur, tu crois que quand tu fais comme ça, même ton homme, tous nos hommes là, ils regardent, même s'ils disent qu'ils n'aiment pas Facebook là. Ils guettent souvent, surtout quand vous venez de la star Facebook là. Ils vous guettent en cachette. Maman, ton homme, même il voit ça ici, ton homme c'est un artiste, il devait avoir honte. Sincèrement, il doit avoir honte. Ce n'est pas toi qui nous montrais ici comment tu es dans les monts Phoebe avec les autres là où c'est Hilton. Maintenant, ta soeur vient te dire que elle vient dire qu'on cotise 20-20. Tu ne vois pas qu'elle t'a ridi, elle t'a rabaissé de grenouille. Tu n'as pas honte. Tu es mauvaise. De grenouille, tu es méchante. Tu dors chez quelqu'un et puis tu viens carrément faire une vidéo. Même si elle t'a fait quoi, tu ne pouvais pas attendre de la voir. Elle n'est même pas encore là. Tu dis là comment elle t'a abandonné. Mais sérieux, quoi. Arrête un peu. Non, c'est pas bien. Elle dit, jusqu'à tu dis que tu as raison, c'est parce qu'elle a dit que tu n'es pas chez elle. Mais elle a dit que non, tu n'es pas chez elle pour te protéger. Si quelqu'un, si elle a dit aux gens que non, pourquoi tu dis d'abord que tu es chez moi? C'est parce qu'elle ne voulait pas que les gens sachent. C'est pour te protéger aussi. Pourquoi on ne t'insulte pas que tu peux au Cameroun, tu squattes chez elle? C'est pas parce qu'elle voulait te faire du mal. Hein? Tu prends ça seulement, tu signes que sur l'autre là. Oh, elle a dit, elle t'a, oh, on t'insulte. C'est elle qui contrôle les faux profils, mamie. C'est aujourd'hui que tu sais qu'un faux profil fait ce qu'il veut. Hein? T'as pas honte? Tu dors chez quelqu'un, tu viens insulter la personne, parce que tu dis qu'on te connaît bien. Tu laves, tu crois que tu connais trop insulter. Le jour que quelqu'un va te donner un coup de poing comme ça, hein, parce que l'autre t'avait fait là, ta bouche va aller un côté, tu ne vas plus faire ça. Tu n'es pas encore tombé parce que quand tu fais souvent, les gens disent que non, elle est malade, si tu la touches, elle meurt, ça va faire que, ça va faire que. Un jour, tu vas me voir atterrir chez toi. Moi, je te dis ça. Depuis, tu me classes souvent, t'es jamais classé. Si vous voyez bien, n'est jamais clashé la femme là. Mais un jour, je vais ouvrir ta porte et je vais te fouetter avec la ceinture. Moi, je dis ça. Et je vais voir ce que. Peut-être tu crois que comme tu t'arranges avec tes soeurs, tu les insultes. Tu es toujours avec eux. Tu penses que c'est bien chez toi, te fouettent bien. Elles vont payer leur transport pour venir te venger. Tu vas écoper. Moi, je te dis ça. Si je mens, tape ma main. Tu vas écoper très mal. Je te dis ça. Un jour, je vais sonner, je vais te fouetter avec la ceinture. Et je vais partir. Je vais calculer l'heure que c'est que tu as bien bu là. Je viens te fouetter. Je te fouette propre. Je te chicote bien. Je mets le masque là, le masque que j'ai là, américain là, je mets la cagoule. Mets la cagoule, je porte les gants. Je viens chez toi, je te fouette bien. On me demande de dire que c'est gilet jaune. Je dis que c'est gilet jaune. Maman, elle va venir avec le gilet jaune. Note bien ce qu'elle te dit. Hein. Je vais te menotter. Tu as compris? Et si tu ne fais pas attention, je te gode. Tu comprends? J'écarte tes jambes comme tu es mouillé là. J'écarte tes jambes et te gode bien, tu mouilles. Je vais mettre d'abord le bandana comme ça. Je vais te goder avec le gilet jaune. Quand tu as fait tes pète-pète là, tu crois que comme tu insultes tes soeurs là, maman, je ne suis pas ta soeur, hein? Moi, je te dis, hein? Il faut demander à un gospel, je suis sauvage, hein? Ou bien il faut demander à la fille là, avec qui j'étais là. Je suis sauvage, hein? Peut-être tu ne sais pas ça. Moi, je suis très. Je te dis, hein. Je suis violente. Il faut demander, on va te dire. Donc, je vais mordre ton gésier. Je te dis que je vais croquer tes fesses. Là, tu vas confirmer que comme vous aimez dire qu'elle est lesbienne, là. Je vais mordre ton clitoris. Tu vas jouir dans ma bouche. Sale pute. Regarde-moi celle-là.
J'ai dit qu'elle va te croquer. Tu vas écarter tes jambes, tu vas encore bien mouiller. Vieille chouette. Et ça va bep, 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 bep. Je t'ai connue parce que tu étais en train de clasher une lesbienne là. C'est comme ça qu'elle était connue. On avait partagé ça. Je crois que c'est Coco Lago qui avait partagé la vidéo d'une fille dans le noir. C'est moi qui t'ai fabriqué, hein. Toi, la vieille chouette là. Était fabriqué, tu étais là-bas dans le noir, tu faisais la vidéo et tout et tout. Regarde-moi ça, gnoc, 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 fleur de lit, gnoc, gnoc. Un jour, je te gode. Et je suis sûre que tu vas sentir du bien. Je vais te goder. Et tu ne viendras pas faire la vidéo parce que tu auras joui. Tu as entendu? Je vais t'enfoncer le gode comme ça, tu vas comprendre. Moi, j'ai les gadgets, hein. J'ai le pince. J'ai le marteau. Ma chérie, pour toi, je mets le préservatif. De toute façon, je mets toujours tous les présos. Je te mets le préservatif sans lubrifiant. Maman, je vais te chouquer ça dedans comme ça avec violence. Tu as compris? Je vais te violer. Tu as compris, non? Comme tu fais ça là, je te dis, je sais que tu vas venir t'asseoir, tu vas dire, hey, fleur de lille, tu vois. Je dis que je vais m'asseoir quand je vais. Quand je vais finir comme ça de te goder, je vais péter dans. Donc, je vais péter comme ça un côté, boum! Comme poum poum. Comme tes histoires, tu fais avec elle, vous êtes toujours ensemble. Moi, hein, je ne marche pas comme ça. Je ne suis pas votre ami. Je suis ami avec personne parmi vous. Je vais péter dans ta bouche. Je te dis, hein, ne sois pas surpris que. Je te dis qu'elle va te taper. Non, taper, c'est trop. Je vais te goder, je vais te faire l'amour. Parce que tu as besoin de ça. Tu as besoin d'une violence. Donc. Tu as vu qu'on te castre un jardin. Tu as envie de la violence. Tu as envie qu'on te violente. Je vais te pousser. Et je vais te violenter. Moi, elle dit ça. Elle va te chouquer comme ça. Tu ne vas pas comprendre. Demande toutes mes amies filles là. Quand je dis que je suis amie avec une... Oui, la directrice. Tu es bien arrivée. Allô? 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 Donc, hein, ma chérie, je vais te... Tu sais que tu allais faire l'amour avec un gars, tu te lèves. Ma chérie, je vais te faire l'amour. Parce que si je dis que je vais te tuquer, on va dire que j'avais dit que ma chérie, je vais te faire l'amour. Je vais te mettre toute la main comme ça, le bras. Je vais te... Ce que je vais te faire, je ne peux pas comprendre. Parce que tu as besoin qu'on te violente. Je vais te faire un truc. Tu vas te lever comme il y a les gars qui ont le bazooka que quand ils te font l'amour, tu marches comme ça pour aller verser l'eau tiède. Là. Ma chérie, c'est le ventilateur. Je sais que tu as le ventilateur chez toi. Tu vas ouvrir le ventilateur, écarter tes fesses, mettre dedans, passer. Je t'aurais choqué. Il faut demander. Hein. J'ai déjà fait ça. La police m'a déjà condamné pour ça. Hein. À l'époque, à Lille. Moi, mon histoire, je ne cache pas. Moi, on m'a déjà condamné. Parce que j'avais décidé sur une fille. Moi, je marchais qu'avec les gouttes. Comme toi, je te mets ça. Elle m'a porté plainte. La police a confisqué le tout. On m'a remis encore après. Quand je suis arrivée dehors, j'ai menti. J'ai dit qu'elle m'a prêté ça. J'ai dit que oui, je reconnais tout. Je reconnais. On m'a dit, vous reconnaissez. J'ai dit que je reconnais. On a dit, et ça fait quoi là-bas? J'ai dit que c'était mon ami avant et je lui ai prêté ça pour se faire du bien. C'est pour ça que parce que ce sont des choses qui sont intimes. Comme elle ne peut pas s'offrir, j'ai prêté. Alors que j'étais allée là-bas, la bagarre a déclenché, c'est resté. On a confisqué, on a mis dans scellé là. Vous croyez que j'allais dire que quoi? Hein? Je ne veux pas le doux, je veux ce qui fait mal. Ma chérie, tu auras... Quand tu vas suivre ma vidéo, tu vas rester ton... Tes fesses vont faire comme... Vont trembler comme ça parce que je vais te mettre le dos... Pour toi-même là, c'est même pas à terre, c'est sur le mur même, c'est ma vieille chouette. Quelqu'un t'héberge, tu viens encore. Je te prends ce qui a les boules-boules là. Toi, ta part, c'est spécial. Je vais te mettre l'autre qui a les boules-boules et te mets l'autre dans ton cul. Et j'enfonce l'autre, et prends le marteau, je tape tes tétons. Maman, me pince. Je vais te pincer les tétons. Vieille chouette. Regarde-moi celle-là. Non, mais allô, quoi? Non, mais...
Pourquoi que l'histoire qu'elle raconte pour le goût, vous croyez que c'est faux? C'est la vérité, hein? Il faut demander si la police ne m'avait pas arrêté. Parce que je suis allée pour... Une fille m'avait attaqué. Elle a parlé au Congo, ça sur mon nom. Avant, quand tu parlais mon nom, tu me voyais devant ta porte. Hein. C'est que j'ai changé le temps. Quand tu parles mon nom, me dit tu as parlé. Même si c'est un salon de coiffure, me coiffe souvent. On dit que tu as parlé mon nom là-bas. Je viens là-bas. Je ne discute. Moi, hein, je m'en fous qu'on est en Bénin. Vous ne me connaissez pas, me chercher à Facebook. Moi, je dis que toi, je vais toquer, tu vas ouvrir. Et je vais entrer, je vais te violer, je vais sortir, je vais partir. Tu as compris? Je vais mettre les cagoules avec le gilet jaune. Tu vas me faire quoi? Vieille chouette. Elle s'assoit, une benguiste qui arrive au pays, elle est incapable de payer l'hôtel de 10 000. Donc, depuis que tu es sur Facebook, là, tu n'as même pas les fans. Seigneur, merci mon Dieu. Merci de m'avoir fabriqué une vraie star, pas une star en bracata. Parce que moi, Fleur de Lille, merci Seigneur, merci pour mes fans. Même le traçage, si c'est une fan qui a payé, je ne l'ai pas vu. On m'a seulement payé dans un truc esthétique pour dire quelqu'un a payé. Elle veut vraiment que tu gardes un souvenir de toi. Elle aimerait que, voilà quoi. Je suis allée, on m'a fait ça, ça faisait mal. J'ai accepté parce que je voulais faire plaisir à une fan. Mm-hmm. Cathy FM, tu es une sorcière, plus sorcière que Marthe. Parce que Marthe, je ne sais pas, elle, on la connaît déjà. Tu ne peux pas aller faire au Congo ça avec elle. Tu dis que machin là, il faut seulement la laisser vendre ses trucs. Mais que confidence là, elle va te trahir. Le jour que vous avez les problèmes, elle trahit tout. Tout le monde la connaît déjà comme ça. Ce n'est pas toi qui pouvais. Ça dit que je. Ça dit que. Marthe, pour Marthe, le tout, si je suis avec elle. Sincèrement, une personne peut pas être aussi bête. Qu'est-ce que tu peux aller te confier à Marthe même? Une grand-mère qui a dit que tu pars en retraite quand elle dit qu'elle ne part pas en retraite. Elle dit que mamie part en retraite. Tu fais quoi à Facebook dans le clash? Elle a fait son clash. Ce qu'elle fait là, c'est le modèle pour vendre ses choses. Hein. C'est le modèle pour faire son commerce. Vous voulez que les gens viennent la regarder? Pourquoi? Il faut trouver qu'elle ait un scoop. Elle a compris le système. Qu'il faut qu'elle ait un scoop. Parce que quand elle a le scoop, comme je fais le direct, vous allez voir, elle va lancer un live. Parce qu'il y aura les gens. Parce que parmi ces gens-là, même ceux qui commandent, qui l'insultent, là, une personne va aller demander une bourse, que tel sac, c'est combien? C'est comme ça qu'on va acheter. Toi, tu viens encore, tu vas encore lui donner l'occasion. Franchement, je tenais à te le dire. Je tenais quand même à te le dire, Cathy. Tu es pareil que des grements, mais des grenouilles. Elle, au moins, pour nous, on peut dire que c'est une soulade, le ne pas. J'ai même demandé l'autre jour qu'on vend le truc là au pays, ce qu'il tire là, le peuple là, on vend ça au pays. Parce que les gens qui consomment ça ici, là, quand ils arrivent au pays, ils font comment? Ils fument l'autre qui rend fou là. La bœuf. Hein? Il y a ça là-bas. Hein? Le couscous. Il y a ça au co. Il y a le couscous au pays. Parce qu'on me dit que les gens là ne peuvent pas rester une journée sans ça. Bon, quelqu'un alors qui go au pays, qui n'a pas ça, va vivre. Ça veut dire qu'elle peut vivre sans ça. Hein? On vend ça, hein? Non, sérieux. Je sais qu'on vend le... Ce qu'on met sur les cheveux, là, le ne de pas. On vend le ne de pas. Mais l'autre là, l'autre qualité là, le foufou là, on vend ça au pays. Franchement, si on vend ça au pays, ça veut dire que ce n'est plus la... Ça veut dire que ce n'est plus le truc des riches. Ça veut dire que tout le monde parle. Ah bon, hein? Merde. Hey. On vend ça au co. C'est vrai. Je me souviens, à une époque, les Nanja m'avaient envoyé au co que bien va chercher un colis là-bas. Quand il a encore changé d'avis là-bas, là, je crois, oui, on vend ça, si c'est possible. On doit vendre ça là-bas. Merde. Elle doit. Il y a des grenouilles. C'est sûr que tu manges le poisson braisé, tu manques c'est le sel. Alors que c'est ça que tu manges ces mains. C'est sûr que tu es. Oui, des grenouilles. C'est sûr que tu es go au pays que. C'est sûr que tu tapes ça alors le feu. Tu dois taper ça le jacquet. Parce que peut-être ça ne coûte même pas. Ici, là, ça coûte combien?
70 euros le gramme. On va dire 50 000. Ça veut dire qu'au pays, c'est 20 000, non? La moitié. Hein? Maman, elle doit alors. Elle. Ça va la fortune, Dongo? Mais de 3 000 à 30 000 au pays. Mais non, vous ne connaissez pas ce que vous dites. Vous confondez pas le départ. Il ne dit pas le départ. Hein. Ce que les grands braqueurs fument pour aller. Dans les braqueurs du. Les agresseurs là, ils ne fument plus. Alors l'autre qu'on enroule, qui sent dans tout le quartier là. Ah, parce que moi, je connais l'odeur du banga. Hein, que. Comme nous, on est les enfants du Soukwat là. Parfois, à minuit, là, quand les gars, là, ils s'assaient dans les pourries maisons cassées du quad. Je sais que le manga, c'est peut-être dans les 500, parce qu'on met ça sur les cheveux, non. On vend le manga au quartier. Tu manges. Ouais, Nadège, je t'attends à ce qu'elle 50. Non, ça ne peut pas. Le manga, c'est à partir de 500 pour mettre sur les cheveux. Non, c'est pas possible. C'est la beuh, c'est la bonne beuh. Quand tu les vois prendre ça. Maman, les cartes bancaires, tu les vois. Tu entends tout le bruit. Ils sont en train de gratter comme ça. Ils écrasent. Pendant qu'ils font ça, il y a la bière à côté. Ça mange toujours avec l'argent. Parfois, hein, ceux qui sont derrière gros comme les gros des grenouilles là. Parfois, ils n'ont rien à les suivre le nez. Quand tu vois quelqu'un qui essuie trop son nez. Parce que je préfère avoir quelqu'un qui fume le banga. Parce que le manga encore, c'est naturel, non, c'est la beuh. Mais l'autre qui est chimique là-bas, je connais comment un nageur, il mélange ça avec le bicarbonate. J'ai déjà vu. Il mélange, il coupe ça avec le sucre. Tu prends ça, tu remplis un truc dans ton cerveau, tu ne sais même pas. Mieux encore fumer la beuh. Ah donc, maman, je suis fatiguée. Il est quelle heure de suite? Hey, le temps ne passe pas. Ah, ouf, maman. Ah, j'ai mal au cou. Hein. Que je voyais mon kiné. Donc, Cathy FM, là, vraiment, c'est une vieille sorcière. Elle ne sait même pas quoi dire sur elle. Elle ouvre le bar. Oh, le que. Elle, franchement, je ne sais pas. On la voyait comme Mon Jang. Tu ne l'aimes pas. Tu n'aimes pas de grenouille, là. Tu ne l'aimes pas. Mon Jang. Mojang, Mojang, quand elle insulte, tu sais, là on te voit, à Chouka, quand elle va, j'ai dit que t'as pas, moi je suis venue présent parce que tu sais ce qui m'a fait venir, de Gonou pleure, elle est en direct, elle pleure quoi, hein, elle pleure quoi, ce qu'elle a fait là c'est normal, tu arrives en Afrique chez quelqu'un, tu n'as même pas payé 5 francs, tu n'as même pas gardé deux valises de 23 kilos, on va dire une valise de 23 kilos qui n'est d'ailleurs rien du tout. Juste, on garde cette valise parce que les bonbons, les chocolats, je ne sais pas, les petits trucs, elle n'a rien ramené. On la voit boire le Mantango au quartier. Ce qu'elle a acheté au duty free, elle a fini de boire, n'est-ce pas? Elle n'a rien acheté. Si elle n'a pas pu s'offrir même deux bouteilles de whisky au duty free. Les vins mousseux, on vend ça au pays beaucoup. Il y a même les nouveautés de vins mousseux. Il n'y a pas ça ici. Hein? Elle va chez quelqu'un, elle s'assoit là-bas. Au pays, hein? On finit de la nourrir, blanchir, loger. Elle dit qu'on donne sa valise. Comme si tu vois même la valise. Vraiment, on dit que les anciens riches, les. Toutes ces choses d'avant que son mari était trop riche là. C'est où, non? Hein? Non, mais parce qu'aujourd'hui, ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Hein? C'est pas elle qui va venir parler de cette Cathy FMI quand même. Maman,
avez la connexion qui ne donne pas bien au pays, là, maman. Ouais, c'est sûr que c'est direct, là. Maman, le noir a tas de ça. On dirait que son genre, ça n'a pas à ramener l'huile pour se oindre. Hein? Elle n'a pas là. Ouais, Dave, tu es parti. Ta mère devient de plus en plus psychopathe. Si Dave était encore ton ami, c'est que pendant que tu es là comme ça, que tu pleures, que wow, elle t'a envoyé même 200 euros. Elle a déjà, elle est là partie derrière, fait comme ça pour t'envoyer. Hush! Maman, tu dois pleurer Dave là jusqu'à. Parce qu'elle te soutenait beaucoup. Non, c'est vrai, hein? Elle te soutenait beaucoup. Puisque tu me le disais, elle te soutenait beaucoup. Tu es gentil, hein, des grenouilles. Mais en même temps, tu es mauvaise. Tu as sauté. Moi, je ne veux plus. Les gens qui viennent parler de pipi, là, de Lolo, les fans, vous ne l'insultez plus. À partir d'aujourd'hui, là, vous laissez son dossier. Vous la laissez parce qu'elle ne me prononce plus. Il faut la laisser là dans son coin, dans sa retraite. Elle est en train de chercher à prendre la retraite là. Laissez-la là-bas. Personne ne l'insulte plus. Parce que les autres tapent souvent la bouche comme ça. Après, mais c'est ma soeur. Elle aussi, c'est ma soeur. Je suis désolée. Les autres finissent de faire comme ça. Tu entends? Non, à Mojang. Mojang, c'est ma soeur. Désormais, personne n'insulte plus ma soeur Lolo. C'est fini. Tant qu'elle ne s'insulte, elle m'insulte. Tant qu'elle ne s'attaque pas à moi, vous la laissez dans son coin. C'est fini là, c'est ma soeur. C'est bon là, personne ne s'attaque plus à elle. J'espère qu'on est bien clair. Mojang. Personne ne l'insulte plus. Poisson fumé sec. Tu as déjà arrangé, je n'ai rien arrangé avec elle, mais je vois que même je la lance les piques, elle ne me calcule plus là. Donc, mieux la laisser dans son coin. Parce que le dernier direct que j'avais fait l'autre, j'attendais qu'elle va revenir pour que ça redéclenche. Elle a été intelligente. Elle n'a pas réagi. Donc, personne ne la calcule plus. Je crois que c'est clair là-dessus. Vous avez vu qu'elle est depuis là, elle ne m'a plus cité. Donc, maintenant, vous la laissez. J'espère que c'est clair. Je ne veux plus entendre les pipis écarteuses. C'est fini. Je ne veux plus le nom là ici sur Facebook. C'est Flockless. C'est la patronne des Flockless. Je ne veux plus entendre écarteuse, pipitologue. Je ne veux plus. C'est fini. Parce qu'elle ne me prononce pas depuis. Mais si elle me prononce, même si c'est Instagram, nous, notre terrain c'est Facebook. Hein. Nous, on ne connaît pas Instagram. Donc, vous guettez seulement bien. J'espère que c'est recevable. Le nom ici que Lolo Pipine est irrécevable. On ne veut plus son nom là. Maintenant, c'est bon. Elle et moi, on n'a pas fait la paix. On n'a rien causé parce que je ne peux jamais rentrer derrière que je vais parler quoi que ce soit avec elle. Jamais. Chacun reste dans son coin. Chacun respecte son couloir. Mais on ne s'insulte plus. J'espère que c'est clair. On passe à autre chose. Je ne veux plus. C'est bien recevable, je dis. J'espère que c'est clair. Je m'adresse aux abeilles, aux valeureuses abeilles. Je dis, je suis sérieux. Hein? Je jure, voici ça. Je n'ai rien arrangé avec elle. Hein? Vous me connaissez. Je suis pas, mais je jure, voici ma chaussure. Non, j'ai trop marché cela. Je jure sur mon passeport camerounais. Hein? Wallahi bilahi. Tant qu'elle ne me prononce pas. Hein? Ne l'insultez plus parce que elle me fait beaucoup de la peine. Sincèrement. Je sais pas ce qui arrive dans sa vie, mais elle me fait beaucoup de peine en fait. Moi, j'ai jamais publié cette fille. Sincèrement. La personne qui a publié, c'est des grenouilles. Je ne vous mens pas. Puisque c'est elle qui m'avait même envoyé ça, mais je n'ai jamais. Sauf quand j'étais à Nice, à Cannes, quand j'avais fait comme ça. En dehors de ça, je ne l'ai jamais. Jamais. Moi, je dis ça, je jure sur mon père qui est couché dans la tombe. Je ne l'ai jamais publié sur Facebook. Elle a signé sur moi pour avoir la Starmania. Je jure sur la tombe de mon père. Moi, je ne peux pas jurer sur moi. Je jure sur la tombe de mon père.
C'est pas que je me justifie parce que je veux que l'amitié avec elle est. Mais je n'ai jamais publié cette fille. Parce que j'attendais la vidéo qui n'est jamais arrivée. J'ai dit que bon, comme la vidéo là, vous ne me donnez pas, je ne vais pas m'en servir. J'ai attendu, ils m'ont fait poireauter parce que c'était une vidéo. Ils m'ont promis, ils m'ont raconté toutes les scènes de la vidéo. Mais non, au moment de remettre, la personne a changé d'avis. J'ai bloqué. J'ai dit que c'est bon, je ne veux plus. Je ne veux plus. C'est comme ça que ça s'est passé. Je n'ai jamais publié. Je dis ça devant Dieu et les hommes. Donc, ne l'insultez plus. Rosing, il faut dire que poum poum. Ah, celle-là, dis donc. C'est le même clan des grenouilles là, non? Ah, celle-là là-bas. Tant que quelqu'un ne... Ouais, ma faute de Paris, waouh, toi aussi. Guillaume s'est marié. Guillaume est marié maintenant. Non, j'ai dit, je suis sérieuse là. On ne prononce, personne ne prononce plus son nom. C'est bon là. Parce que la dernière vidéo qu'elle avait fait, elle attendait qu'elle revienne en clash, mais elle n'est pas revenue. Mais le jour qu'elle revient, on revient. On n'a pas dit que pour l'éternité. On a dit seulement que tant qu'elle ne nous prononce pas, nous la team aussi, on ne la prononce pas. Non, Nadège, je suis sérieuse, hein. Je te dis, j'ai peut-être envoyé 2-3 personnes à WhatsApp, non. Le genre que tu envoies à quelqu'un que, pardon, get, c'est tel. Mais dis que venir mettre à Facebook, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai pas de faux profil. J'ai mes abeilles qui sont là, donc je n'ai pas besoin de ça. Aïe. Regardez les amis de Mbeng. Voilà Rosa, alors. C'est mon ami. Celle qui m'a accueilli quand je suis arrivée en France. Depuis que j'ai alors fait l'accident, c'est là où je vois mes vrais amis. Moi, le vin, là, est bon. Hein. Quand j'étais malade, je ne sentais plus le goût du vin. Fini d'abord la fin de l'année au calme. Non, c'est la fin de l'année, c'est décembre, vraiment. Je ne veux plus les histoires avec personne. Même ce que je fais là, c'est juste pour l'app. Ce n'est pas le genre sérieux là. Même avec les deux grenouilles là. Vous m'avez vu clasher deux grenouilles. C'est juste pour la... Ce n'est pas un truc machin tout ça là. Pour Zoa. Ah, c'est une vieille coyote là-bas, dis donc. Vous m'avez déjà vu la calculer. Que je vais clasher, non. C'est une vieille chouette, maman. Ce n'est pas mon égal. Moi, je réponds aux gens qui sont de ma tranche d'âge. Et ça, c'est mon égal là-bas. Tu es malade, tu as quoi? Non, j'ai eu un accident de voiture. Mafo, quand tu étais à Cannes, tu avais une image, elle dit que tu l'as publiée. Non, c'est parce que j'étais énervée. Comme elle parlait trop de moi, j'avais soulevé comme ça, mais je n'ai jamais mis ça sur Facebook. Les gens que la personne que j'ai publiée sur Facebook, que j'assume, c'est Magazon. Oui, est-ce que je vais me cacher? Ma gazon avait ses poils. Même elle là, elle ne me calcule plus. Je crois que personne ne veut plus le clash avec moi. Parce que même ma gazon là, elle ne me gère plus depuis là. Je parle d'elle jusqu'à rien. Non, ma foufou, hein. Oui, c'est une coyote. L'autre là-bas, c'est une coyote. Flor, tu as quel âge? J'ai 39 ans. Je suis née le 9 septembre 1979. Oui, je ne cache pas mon âge. Je ne cache pas mon âge, c'est mon âge. C'est vrai que je ne fais pas mon âge. Je fais plus jeune, parfois je fais plus vieille. Parce que normalement, je fais les grandes réalisations, je réfléchis pour les grands projets. Je ne suis pas comme toutes ces vieilles putes-là qui s'asseyent au canapé à régaler Nouvella. Non, Nouvella, c'est en Afrique. À regarder les séries là. Je ne suis pas comme cette fille là. Moi, je suis une fille qui réfléchit mon cerveau. Je réfléchis que merde. Il me faut construire un deuxième immeuble. Facebook, si là, ça m'a perdu le temps. C'est juste que maintenant là, je perds un peu le temps comme ça sur Facebook. Allez même commander aussi, non? Hmm? Non, j'ai. Ah, toi, tu es née Gisèle. Tu es née le 19 septembre. Waouh!
Moi, je cherche un gars qui est vierge comme moi, s'il vous plaît. Parce que les vierges sont honnêtes, sincères, pas hypocrites. Les vierges sont claires, sont sympas. Les vierges ne forcent pas. Je veux un gars qui est du signe vierge. Et les vierges savent aimer. Quand je suis amoureuse, quand j'aime. Arrête, tu me donnes 40 ans, pourquoi? Tu as même réfléchi. J'ai pas 40 ans et tu augmentes mon âge, pourquoi? Hein? Tu veux que les gars ne me draguent pas que c'est une vieille de 40 ans. N'est pas 40 ans, hein, maman? S'il te plaît, n'augmente pas mon âge. C'est pas toi qui m'as accouché. N'est pas 40 ans. Hé, hey, maman, avant, quand je voyais quelqu'un qui avait 40 ans, je disais que je vais atteindre 40 ans. Donc, des fois, je... Avant, quand j'avais encore la vingtaine, quand j'avais encore 24 ans et tout... Je sais pas, je voyais quelqu'un de 30 ans, 32 ans, je voyais que 32 ans, c'était une vieille fille. Donc quand je voyais une fille, elle dit j'ai 32 ans, pour moi c'était comme si c'était une vieille coyote. Je me disais qu'elle est trop vieille, tu vois, je me disais que waouh, 32 ans, c'est une vieille mère. Aujourd'hui, je me rends compte que bientôt j'aurai 40 ans, mais je suis jeune. Je nique ta race, tu as compris, non? Tu as compris? J'ai 100 ans, imbécile, imbécile. Qui t'a entouré sa cabinet? Hein? Qui t'a entouré sa cabinet ici? Tu manques quoi faire? Chouin. Chouin à l'ail. Tu dis que j'ai 44 ans. Qui t'a entouré sa cabinet? C'est toi qui m'as accouché. Hein? Quand tu es marié, je suis marié avec le blanc. Ah, je suis marié, mais je vis seul. C'était avant. Chacun est dans son coin. Donc, quand c'est marié de Bengla, c'était fini, mais le papier, c'est fini dans vrai, mais le papier est toujours là. C'est fini sur le réel, mais le papier est toujours là. Oui, je suis mariée, mais ne prends pas ça en considération. Je suis mariée dans le papier, mais j'habite seule. Je tourne seule dans la maison. Mm-hmm. Dieu éternel, pardon, fais-moi signe. Quand tu es à la maison, là, je viens. Ma banque. Oui, dans l'immédiat, attends un peu. La banque me propose. D'accord. Maman, les blancs, ils aiment trop flatter les gens pour le crédit. Maman, fais pas moi entrer dans l'affaire du crédit là. Pour que demain commence à me harceler avec les courriers de venir payer. Pardon. La banque. Ici en Bengo, on te supplie que viens chercher le crédit. Pardon. Et ma petite télé, ça me va. J'ai mes petits, oui. Je veux pas moi. Oui. Pardon. C'est avec. Toi qui dis que j'ai répondu. Quelqu'un dit que tu es marié. S'il te plaît, envoie-moi inbox un rendez-vous tête à tête. Quand il te voit, Pacha, poum poum. Pacha, poum poum. Tu as d'abord un laid nom. Ça dit que Pacha, tu sens un escroc. Pacha. Donc, en fait, ton nom est. Je ne sais pas, mon frère. Tu ne peux pas avoir les bons noms comme les Serge, je sais pas, les François, les noms responsables qui je sais pas quoi, David, je sais pas, tu as les Stéphane, toi tu as un nom, la Pacha, mon frère, s'il te plaît, même le prénom là, il faut changer, hein, avant d'aller draguer la femme, Pacha, tu sens déjà un voyou à distance, excuse-moi. Excuse-moi de te juger, mais ton nom là, pardon, mon frère Pacha, tu vois pas, mon prénom c'est Flore, c'est sympathique, c'est facile, c'est doux, Flore, la fleur, c'est, voilà, c'est bien. Angoula Euro, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. On dit que la Coupe d'Afrique a fait quoi? Thierry, oui, Thierry, franchement, les Thierry, les bons prénoms, non, mon frère, ou bien c'est ton prénom de faux profil? Tu as beaucoup de moyens, regarde-moi un pauvre, tu crois que quelqu'un qui a les moyens parle? Ça veut dire que toi, alors, tu as gâté, tu as indemne, mon frère, tu as indemne, hein? Tu as indemne. Quand tu viens, alors, que j'ai beaucoup de moyens, on sent, ceux qui sont sur Facebook pour... ceux qui escroquent là sur internet là, un brouteur, j'ai les moyens. Mon frère,
Nous qui sommes en Europe, qui tournons dans les Brian. Oh, maman Brian, ça c'est l'un des enfants de riches, toi aussi. Tu vois là, ouais, il peut s'appeler comme ça, Maurice. Maurice, tu sens les gens qui sont allés à l'école jusqu'à... Les Maurice, tu sens quelqu'un qui est allé à l'école jusqu'à le tableau est devenu... Le tableau a changé de couleur. Quelqu'un qui est parti à l'école jusqu'à ce qu'on a dit qu'il n'y a plus rien écrit devant. Les prénoms comme ça. Pardon, cherchez même les bons prénoms, non, mon frère. Quand tu viens draguer une fille, donc quand même un bon prénom, non. J'ai des entreprises à quoi? Si tu scies les chaussures, peut-être tu as les pousses-pousses des pommes là. C'est ça que tu appelles. Bon, c'est une entreprise, hein. Mais bon, mon frère. Laisse. Samuel. Samuel, ça fait. Ça fait bien, ça fait voyou, ça fait. Ça fait bordel. Oui, ça fait bordel. Ça, moi. Ça fait genre. Franchement, je ne sais pas comment on crie ce nom-là pendant qu'on est en train de jouir. Pardon, de joie. Ange désir. Voilà. Apollinaire. Apollinaire. Maman, les vieux prénoms, Bams. Tonton Apolli. Tonton Apollinaire. Les vieux prénoms, Bams, là, pardon, laisse. Bernard. Ouais, mon petit frère, toi aussi. Maman, Qui? Patrick, ouais. Prince Patrick, oui, Patrick. Ça fait beaux-arts, mais voilà, ça va. Patrick, ça fait un peu... Mais bah, c'est bon, ouais. Mm-hmm. Ça fait... Loïc, ouais, Loïc, ça fait têtu, ça fait en même temps enfant gentil comme Choupi. Bernard, ouf, ça c'est des vieux noms ça, Bernard Tapie, Bernard Tapie, ouais, pourquoi pas. Branley, waouh. Maman, il faut donner souvent les noms aux enfants que vous-même vous pouvez prononcer. Branley, quand tu donnes Branley à l'enfant, ta mère va prononcer comment? Vous ne connaissez pas qu'on donne les noms. Nous, les Africains, regarde le calendrier français pour les prénoms. Tu donnes Bradley. On va lire ça comment, en fait? C'est un peu... Fernand. Waouh. Fernand, c'est musclé. Ça fait un gars qui a avalé du mercure. Le mercure, quoi. Ça fait un gars bafan bana. Voilà. Qui a avalé le mercure. Fernand, oui. Bernard le Borso, pourquoi pas le catcheur? Branley, ça fait le prénom du fils de la reine galloise. Jean Bosco. Maman Nga m'avait dragué. Je ne peux jamais oublier. Il était à Souza. Jean Bosco. À Souza. Maman, il était à Souza. Nga, il était Banjounet ou bien Bafoussamdoula. Jean Bosco. Je dis que je partais chercher les noix. Les noix de parmi celui rouge là. Comme ils avaient les palmerets. Jean Bosco. Il donnait un peu l'huile à ma mère. Luther. Oui, Luther, c'est bien. Ouais, Luther. Oui, très bien, Luther. Ouais. Donnez un peu les prénoms des gars. Je vois s'il y a un gars que j'ai... Je vais dire un peu les gars avec qui je vais sortir le prénom des gars avec qui je suis sorti. Donnez-moi un peu les prénoms des gars avec qui je suis sorti. Un prénom quoi? Pierre-Marie. Maman. La villageoisie de ça. Pierre-Ma. Rigobert. Ouais, Rigobert, un footballeur. Rigobert son, oui. Langnoisout. Qui? Nathanaël. Maman, non. Gustave, jamais. Je suis jamais sorti. C'était les noms, je vois. Félix. Tonton Félix, un taximan là. Oui, il conduisait. Il était un chauffeur de taxi. Linda Monnery. Oui, ouais. Alain. Alain, non. Non. Non, je ne trouve pas Simplice, tonton Saint. Et qui?
Je vais Mendoza. Simplice, Bernard, non. Roger, jamais. Landrine, Fernand, Roméo, non. Raymond, non. C'est le prénom de mon petit frère. Dieu ne dort. Pourquoi il dormait d'abord? Moussa, pardon, laisse-moi ça. Yeah, Moussa, un gars là. Il était chauffeur grumier. Comme chez nous, devant chez nous au carrefour, on vole le carburant. On vole le zoazoa. Là-bas, on appelle le carrefour du zoa. Les Maguidaka là-bas, non, les gros camions, les gars volent le zoa là-bas. J'avais un gars là, c'était un gars du nord là. Mais on n'a rien fait, hein, parce que on s'étudiait d'abord, on n'avait rien fait. Luca, non, Michel, Nicolas, Jamin, Flavien, non, vous ne trouvez pas. Le bon, le doux, non. Mon docteur, le bon, mon médecin. Dieu donné, non. Flavien, donc c'est tout ce que vous... Vraiment, Florian, non. Vous donnez... Junior Senga. Pardon, laisse-moi l'autre là, dis donc. Ah, pardon. C'était juste un truc comme ça. C'était juste l'écartement. William, non. Ma faux, c'est normal la présentation d'une gens sans, c'est quand? La présentation d'une gens sans, c'est le 16 décembre. Un dimanche, parce que j'ai vu avec le laboratoire et tout. D'ailleurs, j'y viens aujourd'hui. Voilà, vous savez, c'est pas... On fait quand même 12 000, hein. 12 000 produits, hein. C'est pas... On fait 12 000. Vous voyez le nombre de produits qu'on fait, c'est 12 000. Donc, le délai de livraison, donc voilà. On va être livré à temps, mais il va falloir préparer un peu les trucs. Et les invitations seront, on va faire dans nos bureaux. On va mettre nos bureaux en avant. Joseph, non. Antoine. Ouais, Antoine est Sombé Makembe. Mais bon. Aboubakar. Non. Gabriel, non. Olivier, non. Suleiman, non. Eric, non. Non, vous ne connaissez pas les prénoms. Vous ne connaissez pas le prénom Stéphane. Le père de Choupi s'appelle Stéphane. Regardez les noms, hein, Stéphane. Vous avez de tous vos vieux prénoms. Mais Stéphane, vous n'avez pas pu donner le nom Stéphane. Hmm? Regardez comment c'est simple. Stéphane. Vous donnez seulement les vieux prénoms. Stéphane. Le premier homme de ma vie. Stéphane. Surtout, c'est avec un gars là. Il était là-bas à Bépando au Musport. Son nom même, c'était qui? J'ai oublié son nom. C'est un voyou là. Il était venu trahir chez nous. Il s'appelait même comment? Un jour, il est venu chez les Choupis parce que lui et moi, on s'était vus, je ne sais pas, pendant les vacances. Il est venu là-bas pour trahir parce qu'il ne voulait plus. Un jour, comme les filles sont que quand elles sont avec un gars, elles commencent à dire là où elle habite et tout et tout. Le gars est venu sonner là-bas à trahir. Hein. Bonjour, je m'appelle, je suis venu trahir, elles sont avec moi. Vous connaissez la sauvagerie des femmes bassa là, non? Ma belle-mère l'a bien sauvagé, il a fui. Oui, il est allé trahir. Bon, en tout cas, je vous embrasse. Merci beaucoup, merci de m'avoir écouté. Demain, je ferai un live uniquement pour parler de FDL dans nos bureaux. Donc, demain, rendez-vous demain, je ne sais pas, à midi, hein, dans nos locaux, pour parler de FDL. J'ai tellement bavardé que ma bouche est sec. Les Stéphane sont sauvages. Maman, comment tu sais? Hey! Je ne suis pas morte. La sauvagerie que... Merde! Hey! Quoi? Maman? Quand un gars tape Stéphane, maman, pardon, ne sort pas avec. Les gars là tape. Voilà, Rose. Tu connais là-bas où il y a le pont, non? En Bopi. En bas là. En bas du pont. À Sébec, non? Il y avait un petit stade là. Maman, le gars partait souvent me taper là-bas. Oh.
Ouais, maman, je vais seulement enlever ma perruque, je n'ai pas dormi, non. Vraiment, je vous embrasse très fort. Vraiment, Cathy FM, il faut changer. Sois responsable. Sois plus responsable. Regarde ce que Marthe t'a fait. Mais, tu vas revenir encore demain. Tu vas aller demander pardon. C'est pour ça que tu as peur des gens. Elle t'a déjà montré qu'elle ne t'aime pas. Tu crois que tu... Hey. Tu lui as fait un truc. Il y a les personnes qui sont, elles, rancunières. Tu lui as fait quelque chose. Elle ne peut pas t'aimer. Il faut changer, Cathy FMI. Le Congo, ça n'est pas bon. Le Congo, ça tue. C'est pas bon. Et des grenouilles, retiens une chose. Je vais te goder. C'est tout ce que j'ai à te dire. La prochaine fois, je te gode. Pardon, n'oubliez pas, dimanche ou lundi, on va aller faire le don. On va aller donner à manger aux sans-abri, aux immigrés. Je vais faire 200 barquettes de nourriture. Le poulet avec le riz ou bien les pâtes. On va aller donner à Porte de la Chapelle. Donc, pour ceux qui veulent m'accompagner pour aller donner ça, ça serait bien quoi. Et on va faire une messe d'action de grâce. Mon cou me fait, je sais pas. Donc, oui, félicitations à Guillaume qui s'est marié. Il m'en avait parlé. Félicitations à lui. Donc, il sera de moins en moins sur les réseaux sociaux. Oui, les migrants, bien sûr, les migrants. Ah, on ne dit pas les immigrants, on dit les migrants. Merci. Oui, c'est ça, les migrants. Donc, on ira à Porte de la Chapelle pour donner aux migrants. Et Guillaume est là, hein? Sombo. Bravo Guillaume. Voilà un célibataire qui est parti. Oui, non, il faut remercier le Seigneur, non. Loulou de Soleil, ça ce sont les anciens jusqu'à Claudie Ferry, Djenebali, Poupi Mafoum. Pourquoi tu veux savoir qui va couper tes noyaux? C'est moi-même qui prépare. Il faut que ma main passe dedans pour que ça donne. Oui, c'est moi qui prépare. Elan, Mebi, Elan. Mebi, Elan. Tu as vu, j'ai sauté. Je n'ai pas tout lu ton nom. Mebi, Elan, point, point, point. Mebi, point, 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 Elan. Parce qu'il a dit que le nom là, on ne prononce plus ici. Mini Minor, il a fait quoi? La télécommande. Je mets une dernière chanson que j'écoute beaucoup maintenant. Félicitations à Guillaume. Je mets une chanson que j'écoute beaucoup en ce moment. C'est José. J'adore. Celle-là. Celle-là. Ah, j'adore. J'aime trop. Oui, j'aime trop. Pour vous dire au revoir. Hein. Quand les noyaux ont fait quoi? Doigté culinaire, oui. Ma faute.
J'ai dit, Gaston Machipon a aussi quitté Facebook. Elle a quitté. Il a quitté. Ma faute. Elle est aussi partie. Ou bien il est aussi parti. Parce que la majorité des faux profits, c'est les femmes. Faut pas quand je dis que elle vous commencez à dire qu'elle a dit que. Oui. Parce que quand j'appelle, la personne n'a jamais décroché. Mais j'ai déjà envoyé des messages. Eddie Queen est où? L'autre là. Je sais que il y a qui encore là. Je sais pas. Je vous aime tous. Bisous, je vous aime. Bye bye. Bon, Tchakamogu. Laure Chevalier, Magina Chevalier. Laura Rose, toujours son profil là, qui n'a jamais changé. Faites la publicité de FDL, s'il vous plaît. C'est très important. Audrey Caramel, s'il te plaît. Caramel. Dedans, dedans. Aujourd'hui, le FDL, c'est le 16 décembre. La présentation officielle. Mais on verra comment vous pouvez commencer à acheter avant. Vous pouvez commencer à acheter sur Internet avant la présentation. Parce que vous aviez besoin de ça pour les cadeaux de Noël, pour peut-être vous les offrir. Donc, on va voir comment on lance la vente sur Internet et on présente officiellement le 16. Voilà. D-Queen est là. Ok. Faut la saluer. Makalama Bobé, Mbrakata, Loulou de Soleil, Capto. Steve, voilà, merci beaucoup. Je vous aime très fort. Bah, bon, dormez bien. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Voilà, je rends grâce à Dieu parce que je suis en vie. Voilà, traumatisée. Mais je suis là. Les douleurs, mais ça va aller. Tu as parlé de FDL partout autour de vous, dans votre famille. Partout, parler de FDL, de la sortie, c'est vous. Ma force, c'est mes fans. C'est vous qui faites ma force. Chaque fan est important. Il n'y a pas un fan qui dépasse un autre fan. Vous êtes à mes yeux pareil. Je vous aime tous de la même façon, même si je ne prononce pas tous vos noms. C'est tout simplement parce que je ne connais pas. Voilà. Parfois, je ne sais pas lire. Voilà. Parfois, je ne sais pas lire le nom. Donc, tellement c'est compliqué. Donc, je vous aime tous de la même façon. Il n'y a pas une abeille au-dessus d'une abeille. Merci encore, merci. Je remercie tous ceux qui m'encouragent. Merci le bon. Merci à mon docteur le bon, le présentateur officiel. Merci le bien. Merci la PDG canadien. Merci la reine galloise. Merci à Mini Minor. Merci à Nivakine. Merci à tous ceux qui me soutiennent au quotidien. Merci à tous ceux qui me soutiennent en cachette. Merci à tous ceux qui me soutiennent dans l'ombre. Parce que je sais que vous êtes nombreux à vous inquiéter pour moi dans l'ombre. Vous regardez, merci à tous ceux qui regardent, qui me soutiennent et qui me critiquent aussi parce que c'est très important, les critiques constructives. Il ne faut pas croire qu'en disant quelque chose à quelqu'un, on peut critiquer, il y a des façons de critiquer. C'est important de dire à quelqu'un, vous avez vu, il y a un gros chantier qu'on nous a proposé. Je suis venue parce que j'aime partager tout avec mes fans. Je suis venue vous proposer qu'il y a un très très gros chantier. Mais c'est un chantier empoisonné dans le lobby. Vous avez dit non à ce chantier empoisonné dans le lobby. Nous ne voulons pas de ce chantier empoisonné dans le lobby. Je vous ai écouté. Je partage toujours tout avec mes fans. Je partage tout avec vous. Quelqu'un qui vient vous dire, oh, j'ai fait ceci avec Flore de ça, fait que ça, fait que la personne ment. Moi, c'est un peu comme si on connaissait toute ma vie sur Facebook, quoi. Vous vivez au quotidien avec moi, vous connaissez tout. Enfin, du moins, ce que je veux montrer, ce que je veux cacher, je cache ce que je veux montrer, je montre. Sachez que je vous aime. Vraiment, merci. Merci pour tous ceux qui ont mis mon nom en prière, qui ont prié pour moi. Merci pour tous ceux qui continuent à prier pour moi parce que je sais que beaucoup parmi vous voyez très bien que je ne suis pas en santé, que je force beaucoup. Merci beaucoup, merci infiniment. Vous êtes adorables. Sachez que chaque critique est importante. Mais critiquer votre star aux yeux du monde entier, ce n'est pas bon. Il faut critiquer votre star. LVS Cosmétique, Yvain Gomative. Excuse-moi, Rangalo, je ne peux pas citer. Voilà, Angers Kenny Production. Tous nos vendeurs, vraiment merci pour tout ce que vous faites pour moi. C'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui. Je n'ai jamais dit un jour que je suis la meilleure. C'est vous qui avez dit que j'étais la meilleure. Sinon, je n'ai jamais dit que je suis la meilleure. Regardez, autant d'années, j'ai pris pour pouvoir faire quelque chose qui peut, pour pouvoir préparer ma retraite. Regardez, autant d'années depuis que je suis sur Facebook. Je pense que je mérite que vous m'aidez
vous me motivez, vous m'aviez toujours dit, Flore, fais quelque chose. Aujourd'hui, le moment est venu. Il faut toujours partir d'un mauvais pied. J'ai cogné le mauvais pied, je ne suis pas parfaite. Je fais des erreurs comme tout le monde, je ne suis pas un être parfait. Je suis comme vous. Je suis comme vous à la maison, il y a des jours où je suis contente, il y a des jours où je suis énervée pour rien. Il y a des jours où tu te lèves du mauvais pied. Il y a des jours où tu réponds mal à tout le monde. Je suis comme vous, je ne suis pas un être parfait. J'ai des défauts, j'ai des qualités comme tout le monde. Franchement, je ne suis pas parfait. Je sais que je suis l'exemple pour beaucoup de personnes, mais je donne le meilleur de moi-même. Je fais tout ce que je peux pour donner le meilleur de moi-même. Mais comme on dit, la réalité, tu ne peux pas fuir. Ça revient toujours, tu es là. Parfois, je n'ai pas envie de dire des gros mots, les vieilles chouettes, les prostitutes, les salopes, les chiennes, parler les histoires de fesses, de go, de machin. Mais comme c'est que c'est mon habitude, c'est comme ça que j'ai toujours géré avec vous. J'ai toujours géré avec vous comme ça. Il n'y a jamais eu genre, ouais, vraiment, respecte-nous. Mais vous savez que je parle comme ça. Vous savez que si je dis, je vais goder, c'est juste une façon de parler parce que je sais que bah, vous allez rigoler. Je vous connais déjà, vous voyez, c'est un peu ça. Mais quand vous êtes fâché, je ressens aussi que mes fans ne sont pas contents. Mais parfois, je ne me contrôle pas. Je dis des choses, oui, mais je dis des choses selon les choses. Vous m'aviez critiqué, vous m'aviez dit, écoute la reine mère, pourquoi tu entres dans la politique? Pourquoi tu parles de politique? Je suis vraiment désolée. Parce que je sais qu'il y a des gens que ça a choqué quand j'ai dit à la veille que allez voter pour tel. Je sais que vous aviez été nombreux à être énervés, mais je suis vraiment désolée. Sincèrement, si j'ai blessé beaucoup d'entre vous, sachez que je suis au milieu. Je suis une rassembleuse. Je ne dois pas avoir de parti pris pour quoi que ce soit. Parfois, je regarde comme vous. Je cherche le japap. J'oublie que je suis la reine-mère. Je commente partout. Alors qu'une reine-mère doit se respecter. Une reine-mère, une grande star internationale reconnue par ses pairs, reconnue par des commissaires de police. Une qui a tenu tête. Mais vraiment, excusez-moi, il y a des moments, je reviens aussi comme vous, je vais commenter le japap. Je vois, j'ai envie de dire que je ne me retiens pas. Je vous vois, vous m'insultez pas, vous dites non, notre. Moi, je sais, quand je suis dans un japap, des faux profils là, souvent je suis là, ça vous aime, vous n'aimez pas me voir là-bas. Mais des fois aussi, je suis comme vous, je n'ai pas d'homme, je n'ai personne dans ma vie, je vis seule. Ce n'est pas évident, ça fait 5 ans que je vis seule. Je ne dis pas que je ne binda pas, mais c'est la routine. Ce n'est pas facile pour moi, il ne manque pas. Même si un homme vient là aujourd'hui, je ne sais pas s'il pourrait tenir qu'on vit 24-24, non. Peut-être il va falloir que chacun reste dans son côté. J'ai été mariée longtemps, mais depuis 5 ans, je suis seule, je voulais la liberté. Mais la liberté, elle est de trop. Je tourne, je bois, je ne suis pas alcoolique, mais je fais comme tout le monde. Vraiment, ne pensez pas que je suis parfaite. Je n'ai jamais dit que je suis parfaite. Tout le monde le sait. J'ai montré mon vrai visage dès le départ. Je ne vous ai jamais menti. J'ai jamais menti à mes fans. J'ai ma vie, j'ai mes désirs, j'ai mes fantasmes. Je ne peux pas venir commencer à tout vous dire. Oh, vous savez, j'aime regarder la partouze. Des fois, je mate les films porno aussi. Des fois, j'aime voir deux filles s'envoyer en l'air. Je ne peux pas vous raconter tout ça parce que chacun a son truc. Je suis désolée. Je suis désolée. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Parfois, vous savez, même quand je suis avec mon homme, des fois j'oublie, je crois même que je suis à Facebook. Pendant que je me souviens quand je faisais l'amour avec mon gars l'autre jour, je lui ai dit, chérie, tu n'as pas un pote là, j'aimerais deux, toi et ton pote. Il m'a donné une claque, il m'a donné, bim, quoi? J'ai oublié, je croyais qu'il était à Facebook, je dis des choses à Facebook, mais ce n'est pas ce que je fais, hein. Beaucoup de choses que je dis, c'est parce que je veux juste perdre le temps. L'ennui, vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez qu'elle devienne comme les quartiers FM, et commence à faire le Congo, ça fait pas partie de ma life. Moi, on ne m'a jamais accusé que Flore, tu as dit que tu as causé, que non. Moi, je ne suis pas comme ça. Je reste dans ma solitude. Je gère avec vous là sur Facebook. Pardon. Je sais que quelque part, je vous ai déçu. Je vous déçois souvent, mais c'est normal. Parce que je suis un être humain. Parfois, je m'oublie. Je m'oublie. Comme je vous ai dit avec mon gars, l'autre jour, je voulais parler des histoires.
Oh, chérie, non, 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 non. Alors qu'on ne peut même pas faire. Moi, je ne suis pas une grande bindailleuse, hein. Même vous me voyez, je parle les histoires sur Facebook, oh, nanani, je ne suis pas une grande bindailleuse, hein. Je vous dis, ça fait combien de mois que je n'ai pas fait l'amour? Ça fait peut-être 4 mois que je n'ai rien fait. Ça fait 4 mois que je n'ai rien fait avec personne alors que je suis une jeune femme. Ce n'est pas les hommes qui manquent. Mais je ne veux pas un homme qui va venir signer là. Parce que c'est quand un homme sort avec moi une fois, il ne veut plus partir. Il signe. Parce qu'il cuisine bien. Je suis une fille qui sait préparer. Hein. Je sais nettoyer. Hein. Je sais mettre à l'aise. Hein. Quand un homme avec moi, je sais me lever le matin et dire tu déjeunes avec quoi hein? Mon seul défaut, c'est le fait que je sois sur Facebook, mes chers frères et sœurs. Si je n'ai pas d'homme dans ma vie, c'est tout simplement à cause de Facebook. Parce que beaucoup d'hommes ne peuvent pas accepter une femme qui s'expose. C'est pour ça que je dis toujours, c'est un sacrifice. Je dois sortir gagnante. Et mes chers frères et sœurs, vous voyez une fille comme moi, ça fait combien de temps, je n'ai rien fait. Hein? 4 mois, je n'ai rien fait. C'est l'autre juste avant-hier que j'ai refait. 4 mois, je suis restée comme ça. Je croyais même que je me demandais que est-ce que je suis encore même normale. Donc vraiment, ne pensez pas que je suis parfait. Je ne suis pas parfait. Les désirs que vous avez, c'est les mêmes que j'ai. La seule chose que n'est pas touchée dans ma vie, que c'est la drogue. Je ne suis jamais droguée. L'alcool, je ne suis pas une alcoolique. Je ne peux pas boire une bouteille de vin fini, non. Mais je ne suis pas parfaite. J'ai des désirs, j'ai des fantasmes, j'ai des vices. Comme tout le monde. Oui, je suis vraiment désolée si par moment vous dites, waouh, Fleur de Lys là, je ne prépare jamais ce que je viens de dire. Maman, je n'étais pas à l'école, je ne peux pas lire, je ne peux pas préparer ce que j'ai à dire, je ne peux pas venir m'asseoir sur Facebook. Quand j'essaye de faire ça, c'est là où je foire. Je suis spontanée, je n'ai jamais préparé un jour. Je prépare ce que j'ai à dire. Parce que quand c'est préparé, je ne m'en sors pas. Je suis vraiment... ouais, toi aussi, tu avais les blessures, j'ai fait. Mais est-ce que c'est les blessures? Toi aussi, ah, il y a les positions que tu n'es pas obligé de te coucher. Non, dis donc. Pourquoi vous êtes comme ça? Je n'aime pas parler de la sauvagerie. Hein? Donc vraiment, je sais que Dieu va m'envoyer un homme un jour pour moi. Je ne force pas. Je sais, je n'ai pas un mauvais caractère. Je suis une bonne femme au foyer, je le sais. C'est Facebook qui trompe. Mais je n'attends pas un homme qui vient me draguer à travers Facebook. Je suis désolée. J'attends que les présentations, un homme qui vient me draguer de vrai. Ce n'est pas à travers Facebook. Je suis désolée. Mes chers frères et sœurs, je ne suis pas parfaite. Je vous ai jamais dit que j'étais parfaite. Je vous ai jamais dit que je suis. Hein. Je vous avais dit quand j'ai commencé les réseaux sociaux que non, c'est le jonglage. Depuis l'époque, je vous ai dit que les filles mentaient. Vous avez découvert, non? Je vous ai dit qu'il y a les fausses milliardaires. Je vous avais tout prévenu. Ce que vous avez vu, j'ai tout été vrai. Les gens m'aiment pour ma franchise. Les gens ne m'aiment pas parce que... On ne touche pas le Ngrimba pour Facebook parce que ça apporte quoi? Parce que les gens disent que Fleur l'a vu parce qu'elle fait le Ngrimba. Non. C'est parce que je suis sincère. Parce que la même chose qu'elle dit depuis 5 ans, depuis 10 ans, c'est la même chose. Une personne qui ment ne peut pas... se rappeler de ce que j'avais dit hier. C'est quand tu dis la vérité que tu retiens toute ta vie. Le mensonge s'oublie. Quand vous écoutez mon discours depuis que je suis à Facebook, j'ai toujours tenu le même langage. Je ne peux pas oublier ce que j'ai dit hier parce qu'on n'oublie pas la vérité, mais on oublie le mensonge. Je prie Dieu pour qu'il m'envoie un vrai gars. Un homme qui va m'aimer tel que je suis. Un homme qui va m'aimer avec mes désirs d'aller souvent en club échangiste. Mes désirs de vouloir dire aujourd'hui, j'ai pas envie. J'ai envie de changer, je veux autre chose. Parce que c'est comme ça, Mbeng. Je veux pas un homme parfait, je veux un homme qui me respecte. Je veux un homme qui me dise la vérité. Si tu as 5 enfants, dis-moi que tu as 5 enfants. Ces enfants seront nos enfants. Ne viens pas me mentir que tu as un alors que tu as beaucoup. Je veux un homme honnête. Si tu es en couple, dis-moi, je suis en couple, mais ça ne va pas. Ça ne va plus là-bas. Je suis quand même en couple. Au moins, je sais comment. Ne me mens pas. Je veux pas. Je ne suis pas une afficheuse. Je peux vivre avec un homme marié sans que, voilà, et respecter le fait qu'il est marié. Hein. Je connais ce qu'on appelle la discrétion. Eh, Seigneur, envoie-moi un homme. Pas la qualité de Facebook. Pardon. Je veux un homme qui ne connaît pas. Que Fleur de Lys là, bon, même s'il connaît que sur Facebook, mais c'est peut-être qu'elle je suis. Voilà.
Guizoma, faut courage, non. Sincère, Dieu te. Oui, je sais que Dieu le fera. Vraiment, je. Un jour, j'avais rencontré un gars. Et puis, moi aussi, j'ai pas envie de rencontrer un gars qui va me as la mbinda. Moi, quand un homme me parle directement, que quand je commence à réfléchir que quelque chose va se passer entre nous, ça me décourage. Ça fait qu'il m'appelle, ne décroche plus, quoi. J'aime qu'on me laisse le temps. C'est ça, en fait. Tu parles de qui au juste? Si tu viens d'arriver, tu es obligé de savoir ce qui s'est passé avant. Donc, bref, je suis seule. Je tourne souvent là. Je suis habituée à être seule. Ce qui fait que même quand il y a des gens, je me retrouve que je suis seule dans la chambre parce que j'aime bien les moments de retrait. Par moments, j'aime être seule dans mon coin. En même temps, vaut mieux vivre seul que d'être mal accompagné. Parce que vous êtes beaucoup d'entre vous là, vous souffrez, hein. Maman, vous souffrez. Mieux, je regarde ma télé. Mon mari, c'est ma télé, hein. C'est la qualité que vous souffrez dans vos ménages là. Il y a les ménages que, au lieu d'avoir ça, mieux, hein. Tu vis seul. Ouais, il y a beaucoup, voilà. Autant mieux vivre seul que d'être mal accompagné. Tu sais, aujourd'hui, là, j'avais ma nourriture, là. Il n'y a pas un gars qui va me dire, moi, je suis une fille, hein. Sincèrement, hein, si vous partez donner mon dossier à vos oncles, vos frères, pardon, donnez mon dossier, un bon dossier. Parce que vous, les femmes, là aussi, vous êtes souvent mauvais. Ne partez pas mentir sur mon dossier. Donnez mon dossier tel qu'il est. N'inventez rien sur mon dossier. Lancez-moi. Lancez-moi. Moi, je suis le genre de fille. Quand je finis de faire l'amour avec un homme, je cherche l'arbitre de touche. C'est moi qui le nettoie. Regardez un peu le genre de fille que je suis. Je cherche l'arbitre de touche. Je mouille un peu avec l'eau tiède et je viens, je le nettoie. Je ne fais pas comme vous que tu te tournes. Mais moi, voici, c'est les bonnes filles comme nous. On ne trouve pas le gars. C'est tous les mauvaises filles comme vous là. Vous passez votre temps à parler, vous insultez, c'est vous que les gars. Non, c'est ça va. Je suis une bonne fille, hein. L'arbitre de touche, je m'élève, je nettoie l'arbitre de touche. Je ne dis pas que nanani nanana. Je connais demander que ta mère va bien, ton père va bien. Je connais demander que voilà quoi. Je suis une bonne fille. Je salue ma belle-sœur depuis les États-Unis d'Amérique. Je te fais des gros bisous, ma belle-sœur. Non, je gère, je passe. C'est juste pour rien. C'est pour rendre ton frère un peu jaloux, non, ma belle-sœur. On va faire comment? N'est-ce pas? Tu dis ce que les gens veulent entendre. Moi, vous dites ce que vous voulez entendre. Comme ça, quand le Congo, ça. Non. Maf, on peut dire que tu es chef d'entreprise. Non, non, je n'aime pas le genre de lancement, là. J'aime pas, surtout pas, hein. J'aime pas. Non, 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 j'aime pas ce genre de choses, hein. Vous savez, moi, je suis une fille disque. Je n'aime pas trop les histoires. Tu ailles quelque part, il faut que tout le monde sache que non, 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 je n'aime pas ça. Et surtout pas. Hein. Surtout deux choses. Il ne faut pas dire qu'elle a Facebook. Il faut pas aussi dire qu'elle a une entreprise. Les deux choses. Là. Surtout pas dire qu'elle est sur Facebook. Surtout pas. Si le gars te demande que donne-moi une photo, tu copies toujours, non, ma cour. Tu sais où tu vas prendre. Tu attends. Tu n'envoies pas tout de suite. Les sorciers comme vous, il ne faut pas dire que va taper tel profil, c'est elle. Non. Si un gars te dit tu as sa photo, tu dis que je vais t'envoyer demain. Mais tu as ça. Mais tu dis, mon frère, attends, je te donne ça demain. Tu te copies, tu fais genre, tu l'envoies sur WhatsApp. Tu ne dis pas. S'il dit qu'elle a Facebook, tu dis que attends, je vais demander. Parce qu'il faut tout me demander d'abord. Attends, je vais demander si elle a Facebook. Ce n'est pas que tu cours, tu vas envoyer un gars, il va venir voir une fille sur Facebook comme ça. Il va te dire que non, non, moi, non, je n'ai pas envie d'être dans les choses là. Tu veux qu'il te réponde quoi? Oui. Surtout quand vous partez parler de moi pour chercher au mariage. Je ne veux pas entendre deux choses. Zéro, elle est chef d'entreprise, nanani, nanana, elle a une. Non. Vous ne donnez même pas mon nom que Flore. Hein. Vous ne donnez pas Flore, vous donnez un autre prénom. Parce que si tu donnes Flore, il va dire Flore quoi? Il peut taper les Flore là. Non, tu ne donnes pas mon vrai prénom. Tu donnes un prénom que tu veux. Le jour qu'il dit qu'il découvre, tu dis que non, je ne t'avais pas donné mon prénom. Tu mens, non? Il y a les mensonges.
pour sauver quelqu'un. Tu n'es pas obligé de donner mon nom qu'elle s'appelle Fleur de Lille, non. Tu n'es pas obligé. Tu peux donner même un autre nom qui n'a rien à voir. C'est moi-même, je vais me charger de lui donner mon prénom. Et je saurai dans quelle manière. Si tu donnes Fleur de Lille, il va fuir. Hein? Magina, oui, tu peux donner Magina. Tu dis non, il s'appelle Magina. Il peut taper. Hein? Même ça, non. Non, ne donne pas quelque chose qui a un rapport, non. Pipo, ça va? Marfo, je vais dire que tu es vierge. Oui, du signe vierge. Merci. Bye bye. On va laisser les autres faire leur direct. C'est sûr que les détracteurs veulent déjà parler. Et puis, ça fait quoi? Tu dis que tu as ton frère. Regarde là, Andy là. Menteuse. Vieille chouette. Tu as fait comment vous voir que le zizi de ton frère est petit? Vous racontez souvent des trucs qu'il ne faut pas. J'ai mon frère là, mais son zizi est petit. Tu as fait comment pour voir? Pitiation for you. Quelqu'un voit le zizi de son frère. Pardon, il y a des choses quand vous l'écrivez sur Facebook, là, il faut contrôler. Oh, chez moi. J'ai mal au cou. Ouais, mon frère, appelle-moi. Ouais, pourquoi l'hiver, les temps? Oh, la nuit est tombée depuis 18, mon frère. Il veut me coucher les dos, hein, franchement. Je te dis, je vais moi dormir, je ne peux pas là. Pardon, chassez-moi, je pars. Abec, qui veut me chasser là? Chassez-moi alors, pardon. Je veux qu'on me chasse. Hein? Béni Kalamongo, pardon, chassez-moi, non. Oui, et je suis beaucoup. Je veux un gars que les week-ends, on part en vacances. On fait des trucs. Non, chassez-moi, non. Ouah, bye bye. Ouais, chassez-moi aussi, non. Signalez le direct. Signalez le live, pardon. Comme ça, il n'est pas dormi. Ne signalez pas, je rigole. Quelqu'un signale, je bloque. Anita Beluna, ça, ce sont les vieux faux profils que... Non, arrive, t'as trop bien parlé. Ah ouais. À chacun son enfer. Reste là. On sent que c'est quelqu'un que... Ouais. Est-ce que tu peux dire que un carnet d'adresse... non. Ma faut love you. Il est romantique, le feu sort. Oui, je veux un gars romantique. Aïe. C'est pas un gars romantique. J'aime les gars romantiques. Mais j'aime aussi les gars violents. Pas violents, mais... Les gars qui ont le caractère. Qui n'acceptent pas tout. Parce que comme j'ai une fille quand même qui a le caractère. Hein. Voilà. Qui est douce, mais qui a quand même un petit caractère. Il me faut un gars qui s'impose. Hein, qui même s'il n'a rien. Hein, quand je dis s'impose, oui, qui s'impose financièrement et tout. Mais même s'il n'a pas le finance, mais qui un gars qui s'est dit non. Je suis pas d'accord, tu ne bouges pas aujourd'hui. Tu ne sors pas. Nous, les femmes, parfois, on a besoin de ça. On ne veut même aller nulle part. Tu dis, c'est manque, chérie, il va sortir. Juste pour que tu dises qu'il dit. Pour que le gars te dise, non, tu ne sors pas. Pour que tu sentes aussi qu'il te y a un mot, non, qu'il n'a pas envie de te voir dehors. Est-ce que c'est parce que tu vas aller quelque part? Moi, il faut prononcer mon nom avant de partir. Eva Loé. Ça va, Eva Loé? Ma faute trop vrai. Alexandre est fort, Flore, je vous l'offre. Hé, Dada Soleil, Jessie. Ma faute d'amour, je te. Moi aussi, je vous kiffe, non. Ma faute, la nourriture est presque cuite. Donc, on attend. La nourriture est presque cuite. Va manger alors. Bon appétit. Il est 18h. Tu manges à quelle heure? Moi, je vais manger à 20h. Je vais manger une salade. Une petite salade au chou, là. Alors, j'ai envie d'un gars, un bon gars, que il cuisine souvent même le riz sauté. Tu connais déjà de gars que vous n'avez rien là, non? Il fait les petits trucs, spaghettis. Les petits ouais là, non? Un genre de gars, là, que... Qui n'a rien, mais il te flatte avec le peu qu'il a. Le genre d'amour, là, moi, je veux... Et pas l'amour de... Quelqu'un vient là, il commande comme si...
Épouse Nia Steven. Tu veux seulement le fabriquer. Ma faute d'amour, je t'aime. Je t'aime mon bébé aussi. Merci pour les conseils que tu me donnes. Merci à vous tous, hein, pour tous vos conseils. Hein. Voilà, je sais qu'il y en a qui me donnent souvent des conseils, mais il y a des fans aussi qui sont très exigeants, hein, et très, très protecteurs. Oui, les fans sont protecteurs. Certains aussi s'énervent très vite. Vous savez, quand tu es déjà... Quand tu as une popularité comme moi, là, c'est normal que tu fasses des erreurs. C'est très normal. Pas que moi, même les autres stars Facebook, là. C'est normal, les erreurs. Peut-être certains vont se dire, ouais, pourquoi elle a répondu à Marthe Chopa aujourd'hui? Pourquoi elle a prononcé le nom de Marthe Chopa? Pourquoi elle a prononcé Cathy FMI? Pourquoi elle a prononcé... Mais si elle veut prononcer, elle veut demander l'avis de quelqu'un. Est-ce que eux et moi, on a un problème? C'est comme ça qu'on se fait à Facebook, non? Par contre, arrache clou là-bas. Il reste là-bas avec son dossier. Maman, ton gars, la fille, si elle avait son gars que depuis 1900, ouais. On dit comme ça, quand c'est pour toi, c'est pour toi. Hein. Ma copine, ce que vous voyez là, je ne veux pas raconter sa vie. Mais son gars avec qui elle est, c'est son gars d'enfance. Après avoir bien roulé sa bosse avec les watts comme moi, elle est retournée avec son premier gars d'enfance. Ils sont avec ici en Bénin. Elle a bien roulé sa bosse avec les watts. Mm-hmm. Dieu t'a béni, Mako. Continue à bien le garder. Si tu as un de ses amis, là, n'hésite pas. Mais tu n'es plus pris des pulls. Non, bien sûr, les pulls, c'est 49 euros. Hein. C'est 49 euros avec le Black Friday. C'est 39 euros sur notre site internet. C'est très important. Donc, continuez à commander. Moi, je vois que les commandes ne montent pas. Hein. Vraiment, la team, au lieu de... Je dis, hein, même si vous allez parler de Mbrakata, c'est comment vous voulez que compte sur qui? Faites la publicité, je ne sais pas, publiez FDM. Mais quand je poste un truc qui concerne les produits, non, vous ne m'aimez pas. Vous ne m'aimez pas. Quand je mets quelque chose qui concerne mes produits, il n'y a pas de partage. Mais quand c'est les histoires des arrache-clous, le chantier Mbrakata, tout ça, c'est là où vous partagez. Non. À un moment donné, c'est stop, hein. Je suis désolée. Quand je parle ce qui concerne mes produits, je ne vous vois, je publie quelque chose qui concerne mes produits. Sincèrement, je pense que c'est ça que vous deviez même dire que... Même si vous avez publié 5 ans, chaque fois que vous levez le matin, hein, et faire un post sur FDL. Même si vous aviez déjà fait avant. Regardez, mais ça fait honte. Ça fait honte. La crise de quoi? Est-ce que parler du produit de quelqu'un veut dire que tu achètes forcément? Non. Mais quand c'est les histoires de politique, là, c'est... J'ai mis l'autre jour que Arrache-Clou veut parler. Vous tous, vous avez commenté. Quand je mets quelque chose que FDL, je ne vous vois pas. C'est pour ça qu'elle dit que certains sont sur Facebook. Hein. Si le clan s'arrête, eux, ils sont morts. Parce que beaucoup d'entre vous vivez à travers cela. Vous aimez ça. Même si vous faites semblant, non. Mais vous aimez ça. Parce que sincèrement, hein, quand c'est pour faire, ma foi, parler de. Elle a parlé de la politique aujourd'hui, vous faites le poste. Quand je parle de FDI, il faut le poste aussi. Au revoir. Je reste encore avec vous. Pourquoi? Pardon, partez. Partez. Allez ailleurs. Allez chercher au Congo, ça que vous allez venir écrire à Facebook. Partez. Je ne veux plus, en tout cas, hein, je ne parle pas. C'est bon. Vous partez maintenant dès que coupe le direct là. Vous faites les posts sur FDF, c'est le 15 décembre, la sortie des lettres de toilette. Quand je faisais le truc de brûler, vous avez mis les... Tout le monde avec le truc là, avait changé des profils. Aujourd'hui que c'est FDL, non mais attends, quand même, vous avez investi quand même votre argent sur moi. Ma faut fait pour toi. Toi, tu dis que je vends à 19, qu'il faut que je vende à 19 euros. Est-ce que mon prix d'achat, c'est 19 euros, mon frère? Tu ne vois pas qu'il y a beaucoup de boulot sur ça. Je vais vendre à 19 euros, ce n'est pas mon prix d'achat. Si tu veux 19 euros, tu achètes. Il y a les pulls, hein. Ce n'est pas le pull que les gens achètent. Les gens achètent le nom d'abord. Tu comprends, mon frère? Sinon, ici au marché, tu peux trouver les pulls, même 10 euros, même 5 euros, hein, il y en a tous les prix. Tu comprends? Mais le problème, c'est que c'est le nom qui est là. Il y a beaucoup de boulot encore. Il faut demander aux gens qui ont acheté les pulls à 19,90 €. Mais va acheter à 19,90 € où tu veux. Où est le problème?
Au marché, il y a tous les prix. Hein. Je ne souris pas. Si on vous lance maintenant que machin, tout ça là, vous allez courir là-bas. Ne commentez pas mon nom chez les détracteurs. Hein. Je ne veux pas mon nom. Si c'est la team, quelqu'un met quelque chose qui est bien, il met dans, déjà qui met mon nom, je vois. Mais quand vous partez chez les Mbrakatala, toujours le nom de, à l'honneur, notre Mafo, notre reine-mère, notre PDG. Je remercie mes fans les plus fidèles. Ceux qui ont toujours été fidèles envers moi. On traverse beaucoup de choses ensemble. Et les bons moments et les mauvais moments ensemble. Et je vous remercie. Il a fait combien de minutes? Ça fait 2 heures que je suis en direct. Hein. Donc, merci aux fans les plus fidèles. Ceux qui ne se découragent pas, même quand je suis en train de faillir. Donc, c'est possible. Attends un peu. C'est Chantal. Tac, tac. Bonsoir ma fille, appelle-moi quand tu veux. Oui ma star, je te rappelle tout de suite. Hein. Merci.